Bonsoir. Bienvenue à tous les amis pour ce nouveau live. Pour le dernier live de la semaine, déjà, nous sommes déjà vendredi 12 avril les amis. Ça fait déjà deux semaines qu'on est passé au mois d'avril et on arrive à la fin de cette semaine. Et le dernier live de la semaine que l'on va passer ensemble et je suis très heureux. Bonsoir à tous, bonsoir Reda, bonsoir Rodrigue, bonsoir Gianni, bonsoir William, bonsoir Mr. Raph, bonsoir qui, bonsoir David, bonsoir Clem, bonsoir Titi Mia, bonsoir Kajopi, bonsoir mon GIF également qui en est à son 27e mois d'abonnement. Coucou la bise du Japon, je suis dans un bar et complètement bourré mais je vous aime. Et écoute mon GIF, profite, ne provoque pas un membre de la triade et des Yakuza, c'est tout ce que je te demande, reviens-nous en forme, mais profite, je sais à quel point tu aimes le Japon, donc profite à fond, fais-nous de belles photos, fais-nous de belles stories, et donc voilà, on aura un grand plaisir de te retrouver dans le chat et de rediscuter avec toi en live dès ton retour. Et on aura pour plaisir également de checker tes stories. Sur cela les amis, comment allez-vous en ce vendredi 12 avril? C'est calme ce soir, hein, il n'y a pas grand monde, vous n'êtes pas trop actifs dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a? La semaine a été éprouvante ou comment ça se passe? Heureux de te voir, j'ai commencé Fallout. Ah, très bien, parce que oui, c'est quand même l'événement. C'est l'événement, on va pas se mentir, de cette semaine, hein. La sortie de la série Fallout qui est sortie donc hier. Moi ça y est, hein, ça a été dégommé comme il se fallait, clairement. Et d'ailleurs, on va pas checker le planning puisqu'on a terminé ce soir. Hein. Ce soir on est sur Driver San Francisco. On termine Driver. Ah bah Titi il a terminé cette nuit. Voilà, bah toi tu nous as devancé Titi. Bah nous on va le finir ce soir. On va finir ce soir Driver San Francisco. Hier, on a attaqué Assassin's Creed. Mercredi, on a terminé Test Drive Unlimited. Mardi, on a attaqué Driver. Et lundi, c'était le vlog. Mais justement, l'actualité, c'est ça. La critique... Ah bah d'accord, super. Voilà, je préfère. La critique de la série Fallout proposée, bien entendu, sans aucun spoiler. Pourquoi la vidéo s'affiche pas? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il y a tout qui est cassé? Voilà, je préfère. Proposée, bien entendu, sans aucun spoiler ni rien. Vous pouvez y aller avec mes points positifs, mes points négatifs. Moi, je l'ai dévoré et j'ai surkiffé, les amis. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ça. J'allais faire une sieste, mais je suis là. Bah oui, mais Gianni, on fait pas une sieste à 20h30 quand même. Surtout que là, on va partir pour la suite des aventures de John Tanner. La fin des aventures de John Tanner même. Tu peux pas faire la sieste maintenant. Tu peux pas louper la fin de Driver San Francisco, voyons. Est-ce que tu feras BO1, BO2 et les Lego? C'est une question. Bah, je vois bien que c'est une question, Titi. BO1, BO2, si je dis pas de bêtises, c'est Black Ops, c'est Black Ops 2. Call of Duty, c'est ça. Est-ce que je vais faire les Call of... Je me suis posé la question. Quand je faisais, vous savez, je vous ai dit que j'avais fait une longue liste. Hop, tous les jeux que j'ai envie de faire en live. Tac. Et je me suis posé la question à savoir... Est-ce que je faisais des call-off ou pas? Je sais pas. Honnêtement, les Black Ops et Black Ops 2, je pense que c'est mort. Si jamais je viens à faire du call-off, ce serait sans doute la campagne de Modern Warfare et de Modern Warfare 2. Mais les opus originaux de 2007 et de 2007 et de 2009. Call of, c'est pas un peu chiant en live? Ben c'est ça en fait. C'est-à-dire que est-ce que la campagne solo d'un Call of, ce serait passionnante à faire en live et à vous à suivre? Après, les Call of de 2007 et 2009, les Modern Warfare et Modern Warfare 2, qu'on fera sans doute les remasters, c'est des jeux quand même scénarisés. C'était pas les Call of d'aujourd'hui. Hein. C'était pas le Call of que tu finis en 3 heures. Hein. C'est un call-off où t'avais quand même une dizaine d'heures de jeu, où voilà, t'avais quand même un bon scénario. C'était le prime de Call of Duty. Hein. Mais on verra.
Je kifferais vraiment le jour que tu fasses Watch Dogs 1 et 2. Alors ça, on fera. Ils y sont. Dans la liste, ils y sont. Est-ce que vous voulez que je vous dise la liste? Je vais vous dire la liste, hein, comme ça c'est fait. Hein. A Plague Tale Innocence, A Plague Tale Requiem, Alan Wake Remastered, Alan Wake 2. Among Us, mais ça on en a déjà fait. Us Dog Fall, on l'a fait. Tous les Assassin's Creed. Donc 1, 2, Brotherhood Révélation, 3, 4, Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage. Alors j'ai pas mis... Unity, etc. qui est con, je vais les mettre. Je viens de me rendre compte là que j'avais pas mis... hop. Assassin's Creed Unity. Unity quand même, c'est l'un des meilleurs. Assassin's Creed Syndicate. Et on va mettre le Rogue. Le Rogue, il m'avait toujours fait de l'œil, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Voilà. Tac. Ensuite, donc Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage, Avatar, Frontiers of Pandora, on le fera un de ces quatre. Back to the Future, The Game, c'est le jeu Retour vers le futur de Telltale. Banisher, c'est fait. Le Beyond Good and Evil, 10e anniversaire qui sortira prochainement. Bioshock, on l'a fait. Bioshock 2, Bioshock Infinite. Bully sur l'archipédition, on l'a fait. Burnout 2, on l'a fait. Burnout 3. Bien entendu, on fera Burnout Revenge, Burnout Dominator. Je me rends compte qu'en fait il y a des jeux que j'ai oublié en fait. Dominator et bien entendu Paradise. Bien entendu qu'on se fera le Paradise qui pour moi est exceptionnel. Je sais qu'il y en a qui ont moins kiffé. Moi j'ai surkiffé. Burnout Paradise. Dans les jeux qu'on fera Paradise, putain. Brothers, A Tale of Two Sons, qui est excellent. Ça, on le fera vraiment, en une soirée. Chef Life, on a déjà fait un stream. On pourra peut-être en refaire un si ça vous chauffe. Crash Bandicoot Ensign Trilogy, c'est fait. Pourquoi c'est marqué en violet? C'est fait, donc en vert. Crash Bandicoot 4, qu'il faudra faire. Crash Team Racing Nitro Fuel, c'est fait. C'est pas impossible qu'on ait à nouveau un live. Un live sur comment ça s'appelle, sur Crash Bandicoot Insane Trilogy Nitro Fuel, je vous le dis. Crash Bash, on fera Crash Bash. Crime Boss c'était le truc, mais ça a l'air complètement éclaté, complètement rincé. Ça fait longtemps que je l'avais noté. C'était avec merde, celui qui fait Walker là, Chuck Norris, etc. Et salut Mickaël, merci pour alors, l'anniversaire d'affiliation. Je crois que c'était dans la semaine. Hein. Il y a un soir où tous vous me l'avez souhaité. Ah, mais il y a Théo qui me le souhaite aussi. Bon, bienvenue Théo. Si vous savez combien de c'est quoi l'âge de mon affiliation, je sais pas si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas en fait. Bon, c'est même peut-être plus en fait. Hein. C'était peut-être en 2020 pour l'apéro du G. Je sais plus. Si vous avez l'âge de l'affiliation, je suis preneur. Qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu Croc, Dead Island 2, Driver San Francisco, bon, on est en train de le faire. F1 2024 qu'on attaquera fin mai avec l'équipement Sim Racing. Il y aura le siège back, etc. Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 Next Gen qu'on attaquera la fin du mois. Far Cry 3 Remastered, God of War, le premier sur PS2, God of War 2, God of War 3, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA Liberty City Story, GTA Vice City Story, GTA 4, GTA 4, The Last of Us, GTA The Ballad of Gethony, GTA 5, GTA 6, et prochainement, Hellblade 2, qu'est-ce que j'ai prévu? Jack and Dexter, Jack 2, Jack 3, Jack X, Hail et Noir, Jeuzint, on l'a déjà fait. Les Simpsons Hit and Run, Les Sims 4, Life by You, Life is Strange 2, Mafia Definitive Edition, Mafia 2, Mafia 3, Need for Speed Most Wanted, le jeu Peaky Blinders. Si, GTA 4, j'ai déjà fait. Hein. Mais c'est là, je dis les jeux que je comptais faire et que j'ai fait en live. PlayStation All-Star Battle Royale, on fera peut-être un live dessus, un soir. Pokémon Or Earth Gold, Prince of Persia, le Sable du Temps Remake, mais ça faudra attendre qu'il sorte. Salut Plaidzacha, comment ça va? Bienvenue. Rayman 2, Rayman 3, Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2, Rustler, ça a l'air insane. C'est un mélange entre Kaamelott et GTA. Donc ça a l'air assez insane. Sly Cooper 2, Sly Cooper 3, Sly Cooper 4, Soldat Inconnu 2,
South Park le bâton de la vérité, South Park l'anal du destin, mais ça je sais même pas si ça passe sur Twitch. Mais ça peut-être que South Park on se fera un marathon en week-end. On fera peut-être un marathon South Park. Spyro Reigniten Trilogy, Stuntman, Stuntman Ignition, Test Drive Unlimited, Test Drive Unlimited 2, Test Drive Unlimited Solar Crown, The Crew Motor Fest, mais ça c'est fait. The Getaway 2, enfin Black Monday, The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2, The Quarry, The Order 1886, mais c'est fait. The Wolf Among Us, The Wolf Among Us 2, Tomb Raider 2, 3, 4, 5, L'Ange des Ténèbres, Anniversary, Legend, Underworld, Tomb Raider, le reboot, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Two Point Campus, mais ça on l'a fait, Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4, The Lost Legacy, Golden Abyss, Until Dawn Remastered, Watch Dogs, Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion et Vrai Creation. Voilà un petit peu tous les jeux à ce jour que je compte faire, sachant que ma liste elle augmente de jour en jour. Donc autant vous dire que on va avoir de quoi faire et on n'est pas prêt de s'ennuyer. Voilà, est-ce que ça vous convient? Ça va bien après ma soirée avec Todd Howard. tu m'étonnes, t'as dû te régaler mon petit. Moi ça y est, hein. T'as fini la série Fallout? Parce que moi ça y est, j'ai fini la série Fallout. Ma critique est dispo, de toute façon je viens de vous le dire. Et j'ai trop kiffé. Non, Fallout 4 Next Gen, je l'ai dit. Ça a pas écouté. Ça y est, ça passe la soirée avec Todd Howard, mais ça écoute même pas en live. Et les jeux Lego, effectivement. Ah, les jeux Lego, faut que je rajoute. Il y a Lego Star Wars, la trilogie complète, qui est insane. Les L, ils sont là. Ici. Tac. Lego Star Wars. Et après, peut-être un Lego Pirates des Caraïbes, ça serait cool, tiens. Lego Pirates des Caraïbes. Voilà, je rajoute Lego. Lego City, j'ai jamais fait. Bah tiens, Lego City, j'ai jamais fait, donc je vais le noter. Tac, Lego City. C'est vrai que Lego City, je l'ai jamais fait, je sais pas ce que ça vaut. Hop. Tac. Lego City. Voilà. Voilà. T'as fait les FF? Non, je suis pas du tout Final Fantasy. Je suis pas du tout. T'as fait Lego 2K non plus. True Crime. Ah, c'est vrai que True Crime, on pourrait le faire aussi. J'avoue. Attends, dans les drivers. Mais dans les drivers, j'ai même pas noté les. Attends, mais j'ai même pas noté d'ailleurs les drivers. On disait qu'il fallait faire les drivers. Je crois que j'ai même pas noté. J'ai mis que driver San Francisco. Non, mais c'est incroyable. En fait, je. Alors. Driver. Driver 2. Driver 3. Et le Parallel Line. Mais en fait, ma liste, elle se terminera jamais, en fait. En fait, je dois faire streamer à temps plein, en fait. Je dois faire streamer à temps plein. Donc voilà. Alors les Battlefield, je suis pas trop Battlefield. Hein. De toute façon, Call of Battlefield, je suis pas trop Call of Battlefield. Donc je suis pas super héros. Les jeux Batman, Superman, Spider-Man, OSEF total. Donc Lego OSEF total, Lego Batman. J'ai kiffé Lego Harry Potter, Lego Star Wars, Lego Pirates des Caraïbes, etc. Mais oui, le hardline est différent, c'est plus orienté braquage, etc. Mais dans ce cas-là, je fais un payday. Donc, parce que Battlefield Hardline, c'est un pompage total de payday. Donc voilà. Sur cela, les amis, on retourne à SF. San Francisco. Voilà, un petit récap. Pas. Pour quelle raison Jericho voulait trois camions pleins d'ammoniac? Le platine est un catalyseur. Si vous le combinez avec de l'ammoniac et si vous êtes prudent, vous allez obtenir du cyanure d'hydrogène. Krog est mort, on n'a plus que deux pistes. Et si on ne peut pas tracer le signal qui a fait sauter la voiture piégée, on n'a plus qu'à se rabattre sur notre ami Ordell Williams. Bon, je veux seulement arrêter Jericho, c'est tout ce qui compte. C'était des bangers, Réflexion Games quand même. Ceux qui ont fait les drivers, ceux qui ont fait Stuntman, etc. C'était banger. Donc on avait fait des petites missions. Donc on va pouvoir directement enchaîner avec une mission principale.
On tergiverse pas, on perd pas de temps. Let's go. Quoi de neuf, Jones? Mais on vient de... Mais t'étais pas là quand on a eu l'appel? On a remonté le signal du portable qui a déclenché la bombe et il est à deux bornes d'ici. On a une piste, Tanner. Oh, allez, un type comme Jericho, il a pas besoin d'appuyer sur le bouton lui-même. Jericho n'a jamais eu peur de se salir les mains. Il a tué Krug lui-même. Et il s'en cache pas. Bah let's go! C'est lui, t'avais raison. Pas sûr, Tanner. Ça pourrait être n'importe qui. Je te dis que c'est lui, me demande pas comment, mais je le sais. Faut absolument le serrer. Eh bah allez, hein. Y'a pas un bus? Bon, déjà là, le... Merde. Ça y est, ça commence. Ça commence déjà. Ah ouais, d'accord, mais j'ai... Ah, le camion de pompier. Oh, le bâtard, il a tourné. Bâtard. Bon, on va prendre lui. Allez là. J'ai l'impression que t'aimes bien les BD, toi. Bien sûr que voilà. J'aime bien les BD. Et toi? Tac. Ça fait 30 ans que je te dis que tu mets trop de sucre dans tes gâteaux, c'est nul. Voilà. Ouais, mais je suis la recette. Sérieusement, arrête de cuisiner. Incapable. Oh non, bâtard. Bâtard. Putain, mais y'a rien là. Un bus. Mais à tous les coups il va tourner. Il arrive. Ah non, c'est trop tard là. Merde. Un autre bus. Ça va être trop tard aussi, à moins qu'il tourne. Il tourne pas. Putain. Ah mais y'a un bus, mais il est dans le mauvais côté là. Attendez. Lui! Mais ça avance pas ça! Oh bâtard! Oh, le camion de pompier! Voilà! Voilà! Ah! Il est foutu, on le tient! Accroche-toi, je vais le coincer! Ok, fais gaffe! Hey, du calme! T'es sûr que c'est lui? Sûr et certain! Bouge pas! Je bouge pas, bordel! Hey, Tanner, du calme! C'est pas Jericho! Je vois d'ici les gros titres. Yo, écoute ça! Nicolas John Perret, Tanner, arrête le méchant! Toute la ville acclame son héros! Tanner, je t'ai dit de te calmer! Allez, fais-moi plaisir et sors ton flingue! Donne-moi une raison de te buter, tu veux? Tanner, à quoi tu joues? Tu comprends vraiment que dalle, pas vrai? Allez, descends-moi, vas-y! Oh, Tanner! Tanner! À très bientôt, Tanner. On se reverra! Mais merde, quoi? C'est quoi le problème? John! Oh, et merde! Et puis toi, tu dégages de là, Fissa! Ah oh non, ça sent pas bon, pas bon, pas bon du tout. Quoi? 1. Le type au volant veut notre peau. 2. Le type au volant, c'est Jericho. Quoi? Je sais pas quoi dire, Jones. Jericho a des pouvoirs. Je sais pas qui il contrôle, ni où il se trouve. Oh putain, oui, je m'en rappelle. Alors y'a toi qui peux nous sortir de là. Crétin. D'accord. Regarde où tu vas, crétin. Pas lui, toi. Merde, il nous fonce dessus. On fait d'un. C'est quoi le plan, John? C'est très simple, restez vivant. T'es conscient de ce que tu viens de faire, non? Tais-toi, Dante. T'es sûr que c'est lui? Je le vois. Lui aussi, il peut entrer dans n'importe qui. Mais c'est pas possible! Ouais, rajoute ça à ta liste. J'arrive pas à le coincer, il est pas... Ouh.
mais... Delworth. John, si Jericho est au volant, arrête-toi et rentre dans cet enfoiré. J'arrête la caisse, Jericho disparaît et on se retrouve avec un pauvre gars dans une voiture en miettes et on est foutu. Eh merde. Attends, faut jouer à la carte pour voir où faut aller quand même. Ouais, c'est là-bas. Ouais, bah là, je suis bien, faut que je reste sur cet axe. Impossible de le combattre. Putain, mais je me rappelle plus. Ah, ça y est. What? Oh, on prend une raclée! Sans blague. Faut pas le coincer quelque part et l'envoyer s'exploser contre un mur. Jones, veut notre peau et il s'en fout des civils meurent. Moi pas. En attendant de savoir quoi faire, on doit le semer. En tête de merde, Jones! Je sais, j'ai vu. Lâche-moi un peu. Ah, putain, mais c'est affolant! Jones qui va être contente. Le Tanner, il est en train de nous piler. On roule toujours, non? À peine. Mais allez, connais, lâche-moi! Depuis quand Jericho arrive à faire ça? Aucune idée, c'est logique. Ah ouais? Il n'y a rien de logique dans cette histoire. Ça t'amuse vraiment d'exploser des voitures? On est mort. Pourquoi je suis flic à ton avis? Non mais c'est super dur. Faut que tu te reprennes. C'est super dur, John. C'est mort. Attends, on va se reprendre, mais c'est super dur en fait. Je pense que c'est pas une bonne idée d'être sur l'axe principal. Et maintenant, what? Comment tu comptes serrer Jericho? Pas comme ça. Merde, il nous fonce dessus. On fait gaffe. C'est quoi le plan, John? C'est très simple, restez vivant. Oh non! Oh putain, mais et si je reste sur le camion? Oh, faut que j'essaye un truc! T'es sûr que c'est lui? Je crois. Lui aussi, il peut entrer dans n'importe qui. C'est pas possible! Ouais, bah rajoute ça à ta liste. Oh non! Je compatis, mon vieux. Ça risque de pas faire joli. Il a niqué mon plan! On se retrouve avec un pauvre gars dans une voiture en miettes et on est foutu. Et merde. Et ouais. Oh! Oh, ça va pas faire joli! Oh, on prend une raclée! Sans blague. On peut pas le coincer quelque part et l'envoyer s'exploser contre un mur? Jones, de notre peau et il s'en fout des civils meurent. Moi pas. En attendant de savoir quoi faire, on doit le semer. Merde, j'ai passé l'objectif! Qu'est con, j'ai passé l'objectif! Bordel de merde, John! Je sais, j'ai vu. Lâche-moi un peu. Depuis quand Jericho arrive à faire ça? Aucune idée. C'est logique. Ah ouais? Y'a rien de logique dans cette histoire. Ouh! Putain! Il est encore ici? Je sais pas. C'est calme tout à coup. Du coup, Nicolas Piret qui a participé au développement de Driver San Francisco. Une foule, une hola sur le chat. Si Jericho peut faire la même chose que moi, on est mal barré. Quand j'ai fait la leader, j'en ai pas. Ça va, j'en ai pas trop bavé moi. Bienvenue, Hellbroker. Première fois sur le chat. Bienvenue à toi. Maintenant,
Jericho peut shifter. C'est une course. Je dois utiliser Ordel pour atteindre Jericho avant qu'il n'utilise quelqu'un pour m'avoir. Commence à nous faire chier, Jericho. Commence à nous faire chier. Hein. L'œil sur la ville, l'info continue, 24h sur 24. À suivre, le platine et l'ammoniac servent-ils à créer du cyanure? Un expert du contre-terrorisme nous met tous en garde. John! John! Infirmière! Ça va aller, mon pote. Ça va aller. Ça va, s'il bouge, c'est qu'il est pas mort. Allez, John. Et la dernière partie de la ville. Putain, mais la map, elle est immense, hein. La map, elle est vraiment, vraiment immense, hein. Pour un jeu de 2011 sur PS3, c'est insane. Ah donc c'est toi qui a bossé sur la map? Ou c'est toi qui a bossé sur le rendu de la map? Sur le radar, etc. Ah, je pense que c'est un peu plus petit que la map de San... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ok, putain, incroyable. Excellent. Ah donc on peut encore plus dézoomer. Hein. Je peux faire encore mieux. Je le sens. Ah, je me lasse pas de flotter dans les airs. Cette vue sur Bay Area, c'est sublime. Alors... Il y a un éclair jaune, c'est quoi ça? On va faire l'éclair. Hein. Atteindre l'hôpital. Oh la petite corvette! Bon Dieu, ça! Oh la petite corvette! Il faut jamais manipuler les araignées en mon absence! Tu le sais pourtant! Je ne savais pas que ça pouvait sauter si loin. J'ai froid. J'ai très froid. Et chaud. La vache! Si tu voyais ces couleurs! C'est une veuve noire du Congo? Oh non, Sam, tu vas te choper un trip psychédélique. Il te faut une injection d'adrénaline ou t'es foutu. Bah let's go. Hein. Sam fait mieux musique que les araignées et après... Oh, je suis tellement fatigué. Waouh, tout est fou et coloré comme un arc-en-ciel. Écoute-moi, Sam. Je vais t'emmener à l'hôpital. Il faut absolument que tu restes éveillé. Putain, la corvette, comment elle... Il faut que t'arrêtes de rouler. J'en pense que t'as une coupe de cheveux vraiment bizarre. Oh, il fait chaud et tout est flou. Je dors sur le ventre d'un vieil ours tout doux. Est-ce qu'on a du mal, la corvette? T'endors pas, Sam. C'est un grizzly. Il va te bouffer. Une araignée, nom de Dieu. Elle est toute petite. Oh, mais elle est vraiment très très méchante. C'est ça, cause toujours, mon gars. Elle m'a sauté dessus. Sur le visage, et hop. Merde, c'était là.
Est-ce qu'on se connaît? Vos gros yeux globuleux me rappellent vaguement quelqu'un. Putain, 4 checkpoints encore! Je vois une lumière. Maman, c'est toi? Mon Dieu, reste avec moi, Sam. Ne va surtout pas vers la lumière. Ouais. Ok, ok, je vais... rester... Attends, attends, attends une seconde. Il faut pas s'approcher de la lumière, plutôt. Merde, je sais plus. Bon, regarde la lumière de loin, mais surtout ne meurs pas, ok? Je dois nager dans ma soupe. On est arrivé au parc? Non, Sam, c'est à l'hôpital qu'on va. À l'hôpital. Ah merde, c'était là! Oh, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce qui te prend? Et pourquoi ta tête ressemble à un gros ballon? On y est, mon petit, on y est. Voilà, ah, ici, pas mouru. Ça. Tu vas t'en tirer. Génial. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, il y a une course, on va faire une course. Les courses, elles sont cool. Oh, en lambeau. Charlie, accélère. Super. Jenna, tu sais que je t'adore. Alors Lamborghini là, ces petites Murcielago ça. C'est une... Bah ouais, let's go. Allez Charlie, pense à la récompense. Ah bah y'en a déjà un qui est mort. Non, si je fais ça, c'est clair qu'on va se cracher. Charlie... Aïe. Alors. Alors, ça tente quelqu'un de faire des ravages dans le coin? On va les éliminer hein, on va pas se faire chier. Ah merde putain, faut que je me dépêche parce que... Merde! Je me suis auto-niqué! Waouh! Ah la Lambo, elle se conduit bien hein. Merde. Oh, non. On n'est pas en tête. On a encore beaucoup de temps. Ah bah super. Mais super. Oh le camion. Oh le camion. Monsieur le pistolet, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir ce qu'elle a sous le capot, c'est... Putain, mais elle saute... Et voilà! Oh non! On est coincé! Oh non! Oh merde, c'est les flics! Y'a pas un gros truc, là? Putain, elle était sûre que la Lambo elle allait taper le camion. Accroche-toi. Non, 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 non. Arrête d'être toujours sur la brèche. Le bus. Mais attends, la Lamborghini. Wouh! Regarde, je suis toute débraillée. Non, il faut que j'essaie de rester concentré là.
Oh le bus. Oh le bus. Ah mais il y a des flics qui arrivent de partout en fait. Voilà. Merde, c'est pas moi. Ah non, c'est notre Lamborghini. Putain, j'ai eu peur. Quoi? Mais pourquoi la Lamborghini? Oh le carnage. Oh le carnage. Oh merde. Oh le carnage. Oh le carnage. Mais en plus, il n'y a que des camions. Voilà. Ah, le bus et les camions, c'est des valeurs sûres. Là, maintenant, faut juste pas que je me nique moi, quoi. Attends, faut que je revienne. Mais putain, pourquoi c'est moi qui suis bloqué? Ne bouge pas, Charlie. Pas de récompense pour le deuxième. Les flics ils sont trop vénères. Les flics ils sont trop vénères. Les flics ils sont trop vénères. Waouh, t'en as fait un. Pour les distances. Continue. Continue. Je suis un pilote. Je suis un pilote. Vraiment, je suis sincère. Maintenant, gagne cette course. Je suis un pilote. Tu sais, si tu veux conclure avec une fille, il faudrait que tu soignes un minimum ta tenue. Pas de soucis, je mettrai un caleçon. T'en as pas, là. Les dialogues. Merde, non. Plein de courses comme moi, c'est plus ou moins dans la poche. Je savais pas que t'étais si expérimenté. Oh la fin, oh la fin insane. Oh la fin insane. On peut dire que c'est une victoire totale. Waouh. Donne-moi 5 secondes pour savourer la victoire. Voilà, ça c'est du pilotage. Allez, y'a un truc. Ah bah on a déjà débloqué la mission suivante. Let's go. Sacré bagnole, non? Mon cop. Attends, c'est pas ça. Et c'est quoi cette histoire de cyanure? Tu crois que Jericho est devenu terroriste? Tu crois que c'est son genre? Quoi qu'il en soit, il a fait ça uniquement pour l'argent. Et les types que t'as enfumés, ils savaient rien? Ça marche pas comme ça, je lis pas dans leurs pensées. Yo Boulougam! Je peux faire parler le passager. Comment ça va? Je crois qu'on tient. Ah, très bien la série Fallout ce soir. Très bien, j'approuve, j'aime ça. Ordell Williams route pour le gang de Jericho. J'ai l'intention de l'utiliser. Ordell? C'est un voleur, mais sûrement pas une balance. Ce type se doutera de rien, je vais seulement l'emprunter un peu. Sorte d'infiltration. Ouais, c'est un peu ça. Il est pas assez proche de Jericho pour qu'il me démasque. Comme ça, je comprendrai ce qu'il mijote. Le problème, c'est que les gars de Jericho vont devoir faire confiance à Ordell. Si c'est moi qui conduis, ils vont l'adorer. En fait, l'asphalte, c'est pas pour toi. Ah, petite Corvette à nouveau. Putain, mais la Corvette, elle se conduit pas très bien, la Corvette. Elle se conduit pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Ordell? Pourquoi tu me mets pas sur de vrais boulots, bébé? Je suis quand même le meilleur chauffeur de la ville. Bébé. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Tu sais te servir d'un GPS? Si j'ai pas le choix. Les mecs de réflexion, ils étaient bons, mais un petit peu bof quand même. Entre les dialogues de Stuntman et les dialogues de Driver. T'as un parcours chronométré avec la Corvette. Tu m'appelles ma chérie encore une fois et tu peux dire au revoir à tes bijoux de famille. J'y penserai, ma puce. Ne cherche pas, je t'ai dit.
a du cran, faut le reconnaître. Orbel, faut bouiller. Mate la classe. On perd du temps, Orbel. Ah merde, quoi, putain. Orbel. Ah non. Dépêche-toi, Ordel. Je m'échauffe juste un peu. Ah ! C'est bientôt fini. Je sais, je sais. Il restait 40 dixièmes. Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Du calme, on te fera signe assez tôt. Ordel a décroché une sacrée promotion grâce à moi. Je sens qu'on est sur la bonne piste, mon vieux. Là, ça s'est vraiment joué à un poil de fesses, hein. Ordel est en train de gravir les échelons. Et Leila est toujours en ville. Neutraliser les camions qui transportent, ça marche. Ça devrait le faire. On va reprendre nos bus. En fait, tu sais quoi? Tellement classe la Crown Victoria. Eh, je déconne pas, on va prendre cette voiture et détruire pour des milliers de dollars de médicaments contrefaits. T'es sérieux? T'éclater dans ton job en 10 ans de carrière. Je crois qu'on les a presque toutes. Faut toutes les détruire. Voilà, je le sens mal. Putain, mais c'est pas possible là! Ça me demandait si on a bien fait de se lancer là-dedans. Faut pas réfléchir. Tu regretteras pas, crois-moi. Et voilà! Hey, hey, c'est les dealers! Tout doux, Ron. On s'occupe de ces fumiers? Oh, et puis merde, maintenant qu'on est. On va montrer à ces types comment la police fait le boulot. Ah non! Justicier qui sommeille dans chaque citoyen. Voilà, ça fait un. Y'a pas un petit bus là? Oh là là, y'a rien. Là-bas, il y en a un.
Il y en a un autre. Je crois que le FBI m'a suivi. Hein? Pourquoi ça? Devine, par rapport à mon enlèvement par les extraterrestres, bien sûr. Ça va, on roule toujours. Au courant. Ah putain, oui, mais la voiture... Ouais, d'accord, ma voiture de flic, moi... Je suis dans le caca, là. Mais la voiture de flic, elle a bientôt plus de... Tu vas voir que je vais échouer la mission. Parce que ce con avec la voiture de flic, il va la niquer. Je vais passer le mur du son. Tu lis dans mes pensées. Je veux qu'on réduise cette ville en miettes. Allez, cette fois c'est la bonne. Je conseillerais de t'attacher. Tu te sens plus pété depuis que t'as eu ta promotion, hein? Oh le bal... Oh j'ai eu peur. Oh j'ai eu peur. Qui que je sois, je suis quand même balèze, moi. Salut Rancid! Les Minel Club, on va les faire sur la chaîne. On va les faire, bien entendu. Tac. Et donc la dernière mission. Désamorcer toutes les bombes. Ok, oh là là. Espèce d'enfoiré de merde. On est entre les deux états, comme tu l'avais demandé. On a fait tout ce que tu voulais. Maintenant, dis-nous où est ce foutu camion piégé. Vous, les flics, avec votre couverture, vous vous croyez tellement malin? Allez, regardez devant vous. Il y a deux camions. Bonne chance. Deux, saloperie. Comment ça, deux? Il y a deux camions. Deux. Ce sale malade est un... sale malade. T'inquiète, on a la bonne caisse pour ce job. Basse et rapide. Mais on dirait que t'as déjà fait ça. Ouais, si on veut. Alors accroche-toi. La petite Porsche là! Enfin la ruf! Ça, aïe. Ça nous aide pas du tout! Ok, voilà le truc. Je vais nous glisser sous chacune des deux remorques pour désamorcer les bombes. Tu vas faire quoi? Ça doit être eux, droit devant! Ouais, je les vois. Ok, on y va! Ça y est, je la vois! Stabilise la caisse! Wow, on a réussi! On a réussi! Va pas t'exciter trop vite. Il nous en reste encore une, tu sais. Là, c'est carrément du suicide, mec! Seulement si on meurt. Bon sang, c'est pas possible! Non, c'est possible. Je vais réessayer. Waouh! Merde! Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble, et on n'a encore jamais fait un truc comme ça! Ouais, vous réjouissez pas trop vite. J'en ai 10 autres de plus comme ça qui se baladent en ville. 10 autres! Toujours bonne plus! Chance! Oh non, merde, c'est foutu! Non, pas encore, je connais quelqu'un qui peut nous aider, cramponne-toi. Attends, comment je fais pour aller sur la route là? Même avec ce bolide, on n'aura pas le temps d'atteindre tous les camions. Et encore moins de désamorcer les bombes. T'as raison. Je vais shifter. Quoi? Ah bah oui. Je vais devoir prendre de la hauteur et shifter très vite pour atteindre toutes les bombes avant qu'elles explosent. Ah bah oui. Elle est bien basse. Ça devrait faire l'affaire. Ah bâtard. Empêcher toutes les bombes d'exploser, je vais devoir shifter très haut et agir vite. Ah putain, mais j'ai pas de... J'ai pas de voiture basse!
Bam! Faire décapiter si je tente de passer sous... Ah, cette bagnole passera jamais sous un de ces gros camions. Il est où? Il est où? Fais demi-tour, toi! Et c'est tendu quand même, hein. Oh, la Porsche Boxster. Mind-toi le train, John. Là... Taxi, c'est mort. Putain, y a pas de bagnole. Mais bordel, y a pas de bagnole. Mais non. Dernière. Oh putain. Oh putain. Plus vite, bon sang. C'était encore tendu là. Waouh. Oh là, les deux dernières missions où ça se finit à... Driver San Francisco. À très bientôt, Tanner. C'est pas fini. À suivre, le platine et l'ammoniac servent-ils à créer du cyanure? Tout de suite, un expert du contre-terrorisme nous met tous en garde. Williams roule pour le gang de Jericho. J'ai juste l'intention de l'utiliser. Les getaways, on va les faire sur la chaîne. Ils étaient dans la liste que je vous disais en début de live. Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Du calme, on t'appellera très vite. Et salut, je vais le tarter, Coucou moi, Attila. Driver 1, je sais pas encore. Ce sera peut-être pas... Là on a déjà un petit peu établi la liste des jeux de avril, mai, juin. Donc ce sera pas avant Tanner, t'as remarqué cet été, hein. Tanner, laisse tomber. Salut Metriox, bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'elle est classe, cette bagnole. Allô. Tu vois, il y a un truc que je comprends pas. Ah ouais? Eh ben rajoute-le à la longue liste de choses que je comprends pas quand je suis avec toi. Attends un peu. Jericho, c'est un
bon gros mafieux, pas vrai? Ouais, et après? Non, mais c'est pas un meurtrier. Oh, pitié, il pourrait faire sauter un orphelinat pour $1.50. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. La vengeance, ça coûte du pognon, ça rapporte rien. Pourquoi tu te prends la tête? C'est juste que ça colle pas. Alors t'as qu'à tout m'expliquer. Écoute, je peux pas. Vas-y, mec, j'attends que ça. Écoute, c'est pas quoi si... Quoi? Désolé, mais j'entends toujours pas ton explication géniale, John. Hey, fais pas ton connard. Alors maintenant, c'est moi le connard? Tu me fais pas marrer. Ton connard. Si c'était aussi... Si c'était aussi quoi? Aussi seulement, c'était aussi simple. Tu ferais quoi? Vas-y, si c'était aussi simple... Tu brasses du vent, John. Tu brasses du vent comme un... Claquer des doigts comme ça. Jones. C'est quoi ce délire? Oh merde. Je crois pas qu'il est rétrocompatible celui-là. Je sais pas du tout, je crois pas. Jones, la ville. Tout est figé. Oh merde. Faux raccord. Ah si, il est avec nous. Je l'ai pas vu. Totalement. C'est la seule chose qui bouge. Je me sens si faible. Je suis crevé. Il faut que je sorte à tout prix de ce cauchemar. Il faut que je me concentre. Je colocule cette ambulance pour voir où elle va. Oh bâtard! Ouah! Complètement dingue, ça. Putain, mais elle tourne en dessous. Je me donne de l'énergie. Merde, je me sens faiblir. Je me sens déjà mieux. Ok, tu vas réussir. Perpage. Va vite pour une ambulance quand même, hein. Toi, je te lâcherai pas. C'était quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde, Ricky! Ce gars perd beaucoup de sang! Waouh! Ok. Ça change la donne, ça. Maintenant, foiré, on va voir si tu t'échappes. Wow. Ah, c'est vrai que c'était complètement what the fuck, hein. Salut Mook!
Ok. Le trafic, c'est plus un problème. J'en reste ici. Faut vraiment pas que je le perde. Putain, mais par contre, c'est irrattrapable. La bagnole, elle avance pas. Avoir une ambulance faire ça. C'est pas malin ça. Impossible. Ok, c'est tout. Je pète pas les plombs. Ok, c'est tout. Il y a forcément une explication. Ok, ok, bizarre l'ambiance hein. J'en ai marre, tu brasses du vent comme un bon gros trou de cul. Tu dis des conneries, John. Bah c'est sympa, sympa l'ambiance entre les coéquipiers. Qu'est-ce que tu fous là? Encore un truc bizarre à rajouter sur ta liste de trucs bizarres, Jones. D'accord, là il faut que tu me lâches, mec. Entre le moment là où j'ai claqué des doigts et maintenant, j'étais ailleurs. Je faisais une course contre la mort. Dans une version cauchemardesque de San Francisco. Ouais, d'accord, John. Ça va, cauchemardesque, la vie, c'est juste sérieux, en pause. Fais chier, John. Soit tu te fous de moi, soit tu t'éclates bien à me foutre les jetons. Je suis sérieux. Écoute, mon vieux. Il est un peu con, John, ça. Ira bien. On va te tirer de là, quoi qu'il arrive. Ouais, merci pour le soutien. Non, je suis sérieux. Tu vas t'en sortir. Je sais que tu peux m'entendre. Alors t'en fais pas, tout ira bien. Quoi? Allez, on bouge. Complètement what the fuck. Vivant qu'on le sorte du coma parce que là, ça va de moins en moins. Oh, mais t'as rien fait la Dodge là! Ouais, c'est ça! Ça pas un truc vient de se passer, ça t'a foutu les jetons! Et vu les trucs qui te foutent les jetons en ce moment, si ce truc te fout les jetons, ah, moi aussi ça me fout les jetons, mec! Et si je perdais la boule, hein, Jones? Et si tout ça se passait dans ma tête? Allez, arrête! C'est pour ça que tu fais une crise? Laisse-moi te rassurer tout de suite, mon pote! T'as pas changé! Tu conduis toujours comme un malade! Allez, viens! On a un type à conseiller. Il a pas dit comme un boss, il a dit comme un malade, hein! T'as raison. En route. J'ai une question, j'ai regardé la série Fallout, mais j'ai pas joué au jeu. Tout est... Est-ce que tout est logique? Comment ça? Pas compris. Pas compris. Ah, une petite course. J'ai pas compris, Mook, la question. Hein. Qu'est-ce qui est logique? Que tu n'aies pas joué au jeu? Tu veux pas m'écouter, Ayumu? Ah putain, c'est encore eux! C'est pas vraiment moi qui conduisais. Écoute, June, ça change rien. On n'a plus vraiment le choix maintenant. On travaille pour gérer. Par rapport aux personnages. Non, non. Tu peux pas dire non à ces types, sauf si tu veux finir comme l'autre grand balèze. La série, elle a rien à voir avec les jeux. C'est juste l'univers et l'ambiance, mais c'est pas l'histoire des jeux, etc. Je tourne le dos juste deux secondes et vous en profitez pour vous maquer avec Jericho. Comment ça, vous? June, si t'as un moyen de me tirer de là, dis-le. Jericho gère toutes les courses de cette ville. Je te rappelle qu'on n'avait pas le choix. Et merde. On est encore premier! Je t'avais dit de pas t'en faire. Mais attends, c'est que le début.
Chaudement. Oh, bâtard. Ah mais le physique. La physique du jeu, bordel. Tu peux élever le niveau de 10%. Parce qu'on s'est demandé si gentiment, on va voir ce qu'on peut faire. Sans les mains. Je déconne. C'est énorme. On est toujours dans la course? Ouais. Au milieu des poursuivants. Attention! Mais merde! Dégagez de là! Ben voilà, je peux prendre le contrôle des... J'aurais pas dû intervenir. Ah non, je peux pas. Vise un peu ça, t'as vu? Avec une seule main. Putain, mais là... Oh. La physique sur la Terre, c'est pas la folie. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est une rayure. Ah bah je suis rassuré. Cool. Ouf. Ça serait plus facile s'il y avait pas d'autres voitures en course. Ouais. Ok, il faut que tu montres à ces types qui est le patron. T'inquiète, ils vont comprendre. Ah oh, putain, mais barre-toi! Si t'ouvres les yeux. Je vois! Miracle! J'ai cru qu'on allait finir dans le décor! Fais-moi un peu confiance. Merci de nous aider, t'es quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais qui je suis? Bah oui, je peux encore reconnaître mon propre frère, Dieu. Mais non, désolé. Putain. Au lieu d'excuser, applique-toi un peu plus. Putain, c'est l'IA qui me pourrit. On peut gagner, June. J'aime ton enthousiasme. Putain. Ah, ça pète, ça rend fou! Putain, bon, ça drift. Rend fou! C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ouais, et pour gagner la course. Chérico va nous souffler dans ça les rend fou. J'aurais jamais dû vous aider dans cette course. Je suis désolé. Non, mais la conduite, elle est carrément random. Déjà tout à l'heure, je pars en tonneau. Je sais pas pourquoi. Je tourne le dos juste deux secondes et vous en profitez pour vous maquer avec Jericho. Comment ça, vous? June, si t'as un moyen de nous tirer de là, dis-le. Jericho gère toutes les courses de cette ville. Je te rappelle qu'on n'avait pas le choix. Et merde. Oh, il faut absolument que tu joues à ce jeu. Putain. Avec un petit coup de pouce, mes gars peuvent passer devant. Bon bah... On est où? Pas en tête, en tout cas. On est toujours dans le peloton. Il va falloir que ça change. Ou con.
c'est pas mal, mais tu peux élever le niveau de 10%. Puisque c'est demandé si gentiment, on va voir ce qu'on peut faire. Super, continue comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Devant. Et pour mon prochain coup... On a gagné ! Pas encore fini, petit. On va gagner ! On est en tête, John ! Comment tu m'as appelé ? June ? C'est ton nom, frangin. Allez, j'ai cru entendre... Ah, laisse tomber. C'est plié, June. Montre à Jericho qu'on n'a pas peur. En tentant désespérément de gagner pour qu'il nous épargne. Ouais, tout à fait. Jericho devrait être content de nous. Peut-être même qu'il nous laissera partir. Ah, il est rétrocompatible sur 360. Te fais pas d'illusions. Ok, je savais pas du tout. C'est vrai que Assassin's Creed, il a plutôt bien vieilli, hein. Il a plutôt bien vieilli. Le patron a dit de se garer en face aujourd'hui. Pourquoi ? Tu vois bien que ça va nous forcer à traverser la rue. Je crois bien qu'il y a un autre gros dépôt ou un retrait aujourd'hui. L'entrée de devant doit être dégagée. Pas de soucis, Nicolas. Pourquoi pas tout de soucis. Ce changement ? Je veux dire, ça paraît bizarre. Ça vient de la direction. Quoi ? Tu crois que je mens ? Ça paraît bizarre. On a combien de fric à l'arrière déjà ? Toujours la même somme, Louis. Ouais, mais c'est combien ? J'ai oublié. 15 millions. Il y a pas mal de gens qui aimeraient piquer une somme pareille. Pourquoi tu crois qu'on transporte ça dans un fourgon blindé, crétin ? On peut accélérer le mouvement pour cette livraison. La ville va me tuer si je rentre encore tard pour dîner. T'as beau être un agent de sécu, tu morfles à la maison. Fais gaffe, là ! Ça va être déduit de nos salaires ! Ah, pas du mien en tout cas. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme dinguerie là ? La voilà. Bon, c'est pas ma plus belle manœuvre de stationnement. Oh bon. Ah. Il faut que je trouve un moyen de protéger le van. Comment ça Ah ok, d'accord. Putain, bâtard.
ça. Ça fait. Ok. Donc là. Ah merde, c'était. Tain, mais ils arrivent à combien pour niquer la bagnole là? Ennemi en approche, ennemi en approche. Il y a lui qui est proche là. Oh le Q7, coup dur. De proche, il y a lui là qui est proche là. Pour toi. Tac. Il y a lui qui arrive là. Tac. Bon, on va encore faire ça pendant 2 minutes là. Un petit peu relou quand même. Hein. Ah putain, là maintenant c'est des 4-4 putain. Faut faire double. Après 40 ans de rush. Parfait. Hey, salut fiston. Maman déteste que j'aille à la salle d'arcade, mais tu me conduiras, hein papa? On verra si c'est sur la route. Tac. Ah putain, il y en a un qui approche vraiment vite là. Putain, il y a pas de voiture en plus. Si là. J'ai senti vos bras changer. C'est un très mauvais signe pour nous tous. Je vais pas vous Tac. Dire. Hop là, il y a lui qui approche là. L'ennemi en approche du fourgon. Où ça? Ah putain, oui, il y a lui là. Oh le bâtard! Pourquoi il est parti là? T'as mis ta ceinture? Bien sûr, comme d'habitude. Comment ça? Je pourrais shifter très haut pour avoir une meilleure vue. Sur le van, bordel. Il faut faire vite. Salut Médir. Oh bâtard. On va pas se faire niquer maintenant. On va pas se faire niquer maintenant.
Putain, mais il y a deux bagnoles là. Il y a deux bagnoles. Mais non, pas elle, putain. Tac. Elle. Elle est où, elle? Bata. Voilà. Tac. Putain, mais il y en a deux là-bas aussi là. Elle est puissante, cette voiture. J'ai pas conduit depuis 40 ans. C'est pour... Double élimination, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et là... Là, il va aussi falloir faire une double élimination. Mais c'est super parce qu'il n'y a pas de bagnole. Et en plus, ils offrent un petit chien en plastique avec le sandwich. C'est pas mignon, ça ? Génial. Accroche-toi. Et merde. Voilà. Et le dernier... Putain, mais le dernier, il est pas loin en plus. Oh, bâtard. C'est bon, je l'ai eu. Trop fort. Putain, les mecs, ils ont mis deux minutes à arriver. $7,000, le PC, il marche pas. What the fuck. Putain, y a de quoi rendre fou là. Du nouveau sur Ordel. Oh merde, Tanner. Tu devrais faire signe avant de débarquer comme ça. Et désolé. Tu l'as acheté quand ton PC? Ordel. Il est... Merde, putain, j'ai passé sans faire exprès. Tu l'as acheté quand ton PC? Tanner, faut que t'assures sur ce coup-là. T'inquiète. Ah bah si c'est le mois dernier, garantie directe, hein. On est pressé là? Non. Surtout, fais pas le malin avec Ordel. S'il finit en petits morceaux comme Krug, ce sera ta faute. Sympa la pression. La crème du service. Hé, hey, tu crois que cette Leila va refaire surface un jour? Quand Jericho a une mission importante, c'est elle qui l'appelle. Oh la petite dire 8. Attends quoi exactement? Rien. Bouge alors. Ça va pas durer longtemps. Il me lâche jamais. D'abord, c'est mieux. Ensuite, je te dirai où on va. Au fait, je m'appelle Ordel. Oh, patin. Toi, c'est comment? Je suis ton passager, Ordel. Enchanté. Au moins, ces flics se découragent pas facilement. Désolé les gars, mais je suis super bien infiltré là. Et vous ruinez mes plans. J'espère. Merde, pourquoi je peux pas... Pour moi, ces flics se découragent pas facilement. Désolé les gars, mais je suis super bien infiltré là. Et vous ruinez mes plans. Le bus. Oh non, les j'espère bâtards. J'espère qu'ils ont mis leur ceinture. Ces flics se découragent pas facilement. Putain, mais... Les corvettes, elles sont faites en plomb ou quoi? Désolé les gars, mais... J'espère qu'ils ont mis leur ceinture. Bon, on va y aller comme ça, parce que...
Ça va? Contente-toi de me conduire où je t'ai mis. C'est quoi le programme du jour alors? Le programme? Avec Jericho. Ça, c'est pas tes affaires. Regarde-moi! Youpi, super nouvelle. Comment ils ont pu nous trouver ici? T'occupe. Écoute, si tu veux me dire quelque chose... Orbel, on t'a déjà dit tout ce que tu dois savoir. C'est clair dans ta petite tête? Parfaitement. Désolé. Tant qu'on continue à rouler, je m'en fous. Cramponne-toi. Continue. On est en train de les larguer. Ouais, on les sème. Bon alors? On va à la zone industrielle. Et c'est tout? Ouais, c'est trop simple, ça te convient pas? Non, je voulais juste... Pas un mot de plus, Orbel. Je rigole pas. Tu dois m'expliquer pourquoi les flics savaient où te trouver. J'ai rien à te dire. Ouh, putain. Eh ben, t'avais raison, le FBI est là. Fallait s'y attendre. Allez, tire-moi de là. Démerde-toi. Et comment je... Ta gueule, roule. On a un mouchard. Je suis dedans, c'est très suffisant. Quand je t'aurai conduit là où on va, est-ce qu'il y aura autre chose? Une fois que tu m'auras déposé au point de rendez-vous, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Donc non, tu peux rien faire d'autre pour moi. Yes. Tu fais le maximum. Eh ouais. Il est temps de faire mieux. Oups. Ne t'arrête pas. Non, sérieux, quand on arrivera là-bas. T'as déjà vu un type sous respirateur artificiel, avec des tuyaux, des pompes de partout, et ce regard désespéré? Tu sais ce qu'il pense, ce type? Non, quoi? Il pense qu'il regrette d'avoir posé beaucoup trop de questions débiles. Allez, continue. Quand on arrivera, tu diras à Jericho que j'ai assuré? Tant que je suis pas arrivé exactement où je dois être, t'as rien assuré du tout. Essaie de m'impressionner, Orbel. Bon, alors. C'est pour toi. Allô? Je sais pas ce qui t'est arrivé, Orbel, mais continue comme ça. Tu vas être content, on a une mission pour toi. C'est du lourd. Mais attention, t'as pas le droit de te planter là-dessus, c'est compris? Bien sûr, je comprends. Bien, on dirait qu'Ordel va décrocher une promotion. Et je serai là pour en profiter. Ce chien de Ordel? Là, on progresse. Ordel est sur le point de connaître le plan terroriste de Jericho, et on a une nouvelle tête en ville. Il y a aussi le gros job. T'as craqué le portefeuille en début d'année, quoi. On dirait bien que le boulot finit par payer. Mais Rancid, je dis à chaque live, je vais faire tous les jeux Rockstar et tous les jeux Naughty Dog, donc on le fera. Mais je peux pas stream, enfin déjà je stream tous les soirs de la semaine. Je peux pas, c'est prévu, je l'ai dit, tous les jeux Rockstar, tous les jeux Naughty Dog, plus tous les jeux que je vous ai cités tout à l'heure en début de live. Mais voilà, je... Tu sais quoi, Booba? En fait, on n'a pas vraiment besoin Booba. De camion pour ce job. Il a changé, Booba. Pourquoi tu m'as dit de le prendre? Parce que c'est toi la carotte, crétin. Et bonne chance avec tous ces flics. Fogorn, je vais te botter le cul, tu m'entends, fumier? Personne n'a jamais trahi le grand Booba comme tu l'as fait. Désolé, Booba, mais j'ai pas vraiment envie de partager le putain avec toi. Je vais tout garder pour ma propre. Je vais m'arranger pour que tous les flics du coin te prennent en chasse, puis je t'arrêterai moi-même.
Bon courage, Booba. De toute façon, tu pourras jamais m'attraper si t'as les poulets au cul, connard. Allez, à plus, mon couillon. Il faut que j'amène les flics aux vrais criminels et qu'ils coincent ce pecno. À qui que tu parles, Booba? Tu fais une petite prière? Putain, mais ils ont volé quoi, les gars, pour... Ils ont volé quoi, les gars, pour qu'il y ait autant de... Je sais pas ce qu'ils ont volé, les mecs, mais t'as tous les policiers de San Francisco qui sont à leur cul, hein. Est solide comme un tank. Mais là, mais qu'est-ce qu'il fait sur la route? Mais qu'est-ce qu'il fait sur le trottoir? Maintenant, il faut que je bouscule un peu cette crapule. Qu'est-ce qu'il fait sur le trottoir? T'es du genre pressé, toi? Tu vas faire ça toute la journée? Oula. Il est temps d'en finir avec ça. Retiens ton souffle et surtout pas de panique. Tu vas... Désolé, oh non, pas prévu. Faut que j'aille quelque part. Oh là 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 là. Et là j'ai vu le bus là-bas. J'ai vu le bus. Jamais déçu par le bus, vous le savez. Vous le savez. Ah merde, c'est le mauvais camion. J'ai pris le mauvais camion. Oh non. Je peux pas laisser les flics serrer ce Booba tout de suite. Voilà. Comme ça que ça marche. Ah mais bordel, pourquoi on en est arrivé là? On est deux espèces de gros débiles avec un QI de poule. Avec un QI de poule, c'est toi la poule. Ici Levine et Dyson, Central. Pourquoi on est là-dessus? C'est pour une vente de charité. C'est au profit de la police. Très bien, Central. On s'en occupe. Très bien, Central. Mais c'est quoi cette mission que t'as acceptée? C'est pour une œuvre de charité. Regarde la carte, on est super loin des positions. Ouais, t'as raison. Ok, on laisse ça à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je fous encore là? Cette caisse, elle est presque bonne pour la casse. Alors attends, faut le ramener où là? Ok, nous on est là. Ah, faut le ramener là. Ok. Dis quoi là? Mais tu délires, mon frère! Eh, je t'avais dit de quitter la ville par la route 101. Mais non, il a fallu que tu fasses un truc. Attends, il a Lamborghini, il l'a massacré. Oh la pauvre Lambo. La Lambo, elle est en train de tomber en Lambo. Ah, la bagarre est humoriste. Susceptible, cette caisse. C'est pour ça que t'es au volant, mec. T'es censé assurer comme un dieu. Merde, cette caisse est presque au bout du rouleau. Oh sérieux, si tu sors pas cette bagnole de la ville. Ferme ta gueule.
s'il te plaît. Fais pas ça, mec! Cette bagnole, c'est du cash! Du blé! Et ta mère, c'est aussi du cash? Oh! Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la tronche? Tu crois que cette caisse a pas assez morflé? Ouais, ça en fait une. Et merci pour le follow, Landroche! Merci beaucoup! Tiens, voleur solitaire. Dommage. Alors, attends, faut aller où? On est là. Oh, ça va, on est pas loin là. Ouais, on est pour pas toi, loin. Mon gars, on va rendre cette voiture. Et l'horloge tourne. Ah ouais! Merci beaucoup, Landroche! Attends, je te lis dans 5 minutes! Waouh! Je vais finir certification, je viens de corriger mon absence d'ici. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien aussi. Hein. J'espère que tu vas bien. La journée. Les deux dernières bagnoles sont où? Allez, on va faire celle-là. Allez, vite. Oh ouais, la petite Aston. C'est Deep? Mais réveille-toi, Marcel. Il faut qu'on s'arrête là. Désolé, mec, j'ai changé de plan. C'est Raoul, mon nom. Hé, hey, arrête tes conneries. Allez, file la bagnole à ces types. C'est pour ça qu'on est payé, je te signale. Super. Remue-toi, John. Tu montes pas vite ces voitures dans les camions de police, elles arriveront jamais à temps pour la vente. Mais faut aller où, là? Ok, nickel. On est sur la route. Marcel, casse les couilles là. Si cette caisse n'est pas en état de rouler, elle ne sert plus à rien. Ah, je crois que je comprends. Non, on l'a volée avant les enchères, Marcel. On va la fourguer à quelqu'un d'autre. Oh putain ! T'as raison, faut qu'on puisse la revendre. Fallait que je garde cette caisse intacte. Ouais, je suis au courant. Allez, ma belle, sois sympa avec moi. Laisse-moi te faire monter dans ce camion. Oublie le foutu camion, Marcel. Donne la voiture aux gentils messieurs qui veulent nous payer. Putain, mais il casse les couilles là de tourner, lui. Si je récupère encore une bagnole de collection, le monde pourra me remercier. Putain, 1 minute 13, ça va être tendu, sa mère. Hein. Je sais pas où faut aller là, mais. Allez! C'est pas elle! Belle bagnole! Putain, mais elle est loin là! Ok. Ça va encore. Putain, mais bâtard! Bâtard de merde! Ça va encore se jouer à un poil de fesse, ça! Oh
Voilà. Ouais. Qui a dit que c'était chiant les BA? Mais putain encore Nico. Oh non mais là ton PC faut que tu le ramènes. Faut que tu le ramènes ton PC, c'est plus possible. Si je perdais la boule, Jones. Si tout était dans ma tête, hein. Mais du coup Nicolas, si Jericho peut faire comme moi, là dans Driver, voir le monde à ma façon, c'est toi qui a codé l'interface sur le, comment je vais faire, les compteurs de vitesse, etc. Orbel de toutes Williams les bagnoles pour le gang de Jericho. Je vais l'utiliser. Une sorte d'infiltration. C'est une tueuse professionnelle, formée en Afrique. Elle se fout de savoir pourquoi elle se bat, tant qu'elle est bien payée. Une mission t'attend, c'est du lourd. Mais t'as pas le droit de te planter. Ah oui, t'as voulu attaquer nous. Inspecteur, on dirait que votre Ordel se déplace. Reçu, central. Ordel a dû recevoir de nouveaux ordres. C'est le moment qu'on attendait. Eh ben voilà, laisse-moi deviner, c'est l'heure de jouer au fantôme. Fais gaffe, Tanner. T'es pas le seul à risquer ta peau. Y'a Ordel aussi. On s'en bat les couilles d'Ordel, c'est un criminel. Le mec t'a un rien à foutre. Léla est avec Ordel, c'est sûr. Alors on fait quoi? On appelle les renforts et on monte un barrage sur Marine Ridge. Alors, tu vas les emmener tous les deux comme ça jusqu'au flic? Ouais. Je vais voir ce que je peux apprendre sur Jericho et ensuite, l'air de rien, je vais livrer Ordel et notre... Bah carrément, avec plaisir. Avec plaisir. Fais gaffe à toi, mon vieux. D'accord? Ordel, tu dois donner le maximum aujourd'hui. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Jericho a un problème à éliminer. Emmène-moi jusqu'à la cible et je m'en occupe. Let's go, on meurt là! C'est bon ça! Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs! Bon, elle va se calmer celle-là là ou moi je la broute? Jolie, finalement, t'es peut-être pas si nul que ça? Voilà, tu vois! Je lui mets un coup de pression, ça la calme! On arrive, fais attention. Ah la map en haut c'est vraiment très bien foutu. Les compteurs j'adore. Les Valentine. Compteurs en plus qui sont okay, vraiment... On devrait plus être très loin de la cible maintenant. La Dodge jaune droit devant. Suis là mais reste discret. C'est ma voiture. Quoi? C'est lui le flic qui nous pose des problèmes. On doit le suivre jusqu'à la cible? La cible c'est lui. Merde. Je vais contribuer à me faire buter. Approche-toi, attends mon signal et descends-le. On est un peu proche quand tu même déjà. Père, je te tranche la gorge. D'accord. Déjà deux caisses sur les bras. J'ai pas besoin d'une troisième. Ah putain, mais oui, c'est vrai, on conduit okay, les deux. Bon. On conduit les deux voitures, putain. Pourvu que Jones ait fait son boulot. Ah, mais oui, je m'en rappelle, c'est insane ça. Là, je contrôle les deux bagnoles. Ah, ça, il sait qu'on est là. Ne lâche pas. Qu'est-ce qui nous emmène? Cette mission elle est insane. Cette mission elle est insane. Franchement, c'était tellement bien pensé. C'est comme s'il nous amenait quelque part. Je crois qu'il est en train de paniquer. Tu commences à me gonfler, Ordel. Je suis sûr que je peux faire mieux. Rapproche-toi. Je fais de mon mieux. C'est vrai, je suis pas convaincu. Et salut gamer. Merde. Et c'est pas évident en vrai hein, de conduire à distance. Attention.
attention, Ordel. Reste sur lui. Qu'est-ce que tu fais? Eh, hey, c'est John Tanner. C'est pas n'importe qui. Comment tu le sais, ça? Oh, tout le monde connaît John Tanner. C'est une légende. Le mec qui se s'autopalpe. Comme un flic. C'est moi, je suis avec Ordel. Il a l'air à côté de ses pompes. Ok, je vais lui dire. Me dire quoi? Que ton partenaire risque d'avoir une méchante surprise. Si tu es là, qui est dans ton corps? Eh bien, personne. Oh non. Tu veux dire que Jericho... Détends-toi et profite du spectacle. C'est pas tout le monde qui peut se voir monter. Plus d'un flic dans cette caisse, Léla. Désolé, Jones. Je vais t'emprunter un instant. Salut, Tanner. Quelle joie de te revoir. Ça fait vraiment bizarre, pas vrai? Avoir quelqu'un qui conduit à ta place. Je suis au courant pour la bombe. T'es une ordure. Et je pensais pas que tu t'abaisserais au terrorisme. T'as toujours rien compris, pas vrai? Tu gardes l'œil sur la ville alors que tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta peau. On se verra en enfer, Tanner. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tiens-toi bien, ça va secouer. Ouh. Mais il s'est passé quoi, là? Désolé, Jones, j'ai dû t'emprunter un moment. Quoi? Mais c'est dégueulasse! Crois-moi, tu devrais plutôt être content d'avoir... Mais j'imagine que lui, ça doit être vraiment la merde à faire, effectivement, ouais. Franchement... Okay. Réfléchis, bon sang. Ordel est grillé, peut-être mort. Jericho en a après moi, et j'arrive toujours pas à le retrouver. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je passais à côté de quelque chose d'évident. Bah oui, c'est évident, Tanner. Tout le monde le voit. Ah mais on était au chapitre 6, je pensais qu'on était déjà passé au chapitre 7. Je pensais que là on passait au chapitre 8, le Vous dernier chapitre. Vous êtes sur KEOC News. L'œil sur la ville. C'est bon de te voir à nouveau sur pied. Ça se présente mal, John. Je vais pas te mentir. On est en train de monter un plan d'évacuation. Et la garde nationale est mobilisée. Il faut que tu reviennes, Tanner. On a besoin de toi. C'est quoi, ça? Du coup, hop, il fallait juste que je fasse un petit truc. Hop là. J'avais un gros truc, sauf que bon, c'est mort, car je suis un français, et même si tu as de meilleurs techno pour tout le monde, tu as pas assez d'argent pour faire... Ah, c'est ça un petit peu le problème, hein. Le problème de ça, hein. Les amis, je peux juste partir. Bah écoute, pas de soucis, merci à toi William, et à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Bon, on va aller refaire la course, là. Ouh, la Pagani Zonda! Ah bah super. J'ai dit, non, mon dernier mot c'est Jericho peut se mettre son fric là où le soleil ne brille pas. La tranche qu'il a tirée! Ouais, quand même, c'est pour éviter une vie de criminel qu'on a fait ça. Et aussi pour la fac. Ok, si on gagne, on empoche 1 million, mais on disparaît pour de bon. Fin de l'histoire. Putain, les Pagani, la course de zinzin là. Mais là du coup... Ah, c'est crétin de Nakamura. Et tout ce que je fais, c'est aggraver les choses. Faut que je les sorte de là pour de bon. Le bus! Oh non, putain! J'ai encore du pain sur la planche. Voilà. Il y a encore un bus là.
Voilà. Une pas gagnée en moins. On va tous les défoncer. T'as gagné une qui a pris de l'avance là. On est dernier. Il va falloir que je fasse un miracle. Oh merde! Oh non, c'est pas bon ça! Cool! Ouais, appelle-moi Mister Cool. On a encore du temps! Pour griller tout le monde et remporter la course. Une fois de plus, quoi. Ah voilà, c'est bon. C'est pas encore fini. Alors, je vais prendre quelle voiture? Je les ai tous loupés! Je les ai tous loupés! Et ce connard, il est repassé 7ème! Putain! C'est propre. Net, sans bavure, irréprochable. Putain, la Zonda, comment elle glisse! Oh, laisse plutôt faire la voiture! Ok! Pas de hockey ni de hum avant la mi-course. Et après, l'on couvre. Putain! Je vais aller bien en amont. Putain, mais il y a une bordure de partout, sa mère! What the fuck? En fait, il est dans le coma. C'est un petit peu dans sa tête que tout ça, ça se passe. Putain, mais le mec, il est vraiment nul, il est toujours dernier. C'est le moment d'y aller. Ouais. Chut, je veux toujours pas t'entendre. Bâtard. Putain. Que ça. Non, justement pas. Oh non, je suis accroché. On est en tête. Non, pas du tout. Ah, oui, c'est vrai. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Putain, j'en peux plus de cette IA de merde! Putain! Cheaté de ouf! Accroche-toi, ça va dépoter! Le jour où tu conduiras plus vite que moi? Mais non, laisse. On va essayer de les défoncer comme ça. Je peux pas les rattraper, ils vont trop vite! Ils vont trop vite, l'IA, elle est flinguée! Attache ta ceinture et tiens-toi bien. T'as peut-être eu une promotion, mais t'as pas d'ordre à me donner. Oh! Tu bousilles le matériel de la boîte, crétin. Putain, mais même en les feux, même en les niquant comme ça. Je fais mon pot de départ à la retraite demain soir. Putain, mais la voiture. Faut avoir une air solide. Hein. Vas-y, mollo sur l'accélérateur.
Oh non, putain, il... Oh là là. On va devoir la recommencer la course. Hein. Pour l'instant, on n'est pas prêt de toucher la récompense. J'espère que t'as un plan. John, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas appeler John. Oh putain, mais ça me rend fou! Ah non, mais ça me rend fou, putain! C'est pas possible! Putain, je vais perdre comme ça sur une connerie d'IA, sans déconner! Je préfère ça les accidents à la défaite. Bah, c'est un peu la même chose, John. Putain, ça rend fou. Ça sert à rien, on va faire la course entière. C'est les mecs, ils ont des tanks, et c'est pas des voitures qu'ils ont, c'est des tanks, c'est des chars blindés. Elle est inconduisible, inconduisible. Vous êtes pas croyables tous les deux. Qui ça tous les deux? C'est la dernière fois que je vous tire d'affaire tous les deux. La dernière fois. Ça vaut, ça avance pas. Ouais, je suis très satisfait. Maintenant, tu la boucles et tu me laisses conduire. C'est le moment d'y aller. Ouais. Chut, je veux toujours pas t'entendre. En fait, faut carrément pas servir du trafic en fait. Faut là, vraiment y aller tout seul. Je peux être optimiste. Je suis toujours optimiste. Pas toujours. Déconcentre pas ou on va se planter. Ça sent la victoire, on dirait. John Tanner, t'es le meilleur. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? June, mon frère, je te le dis. T'es le meilleur.
continue comme ça. Encore un petit effort, John. Accroche-toi et on va. J'ai bien entendu là. Ah non mais tout à l'heure c'était impossible de les rattraper, là je leur mets un trou mon gars. Victoire ! Bien, maintenant tu prends l'avion et direction la fac. Bah au fait, rends-moi mon frère. Allez. La foudre tombe pas deux fois au même endroit, Jack. Et si on filme encore des... Ouais, faut filmer les cascades comme la dernière fois. Shifter dans n'importe quel véhicule. Bah, passez-moi un bon véhicule quand même. Bon, la petite Mustang. Un drift de 30 mètres. Non, rien. Ça tente quelqu'un, un petit carton frontal ? C'est pour la bonne cause. Allez. San Francisco, la ville de tous les dangers de la route. Rouler à plus de 240 ? Waouh, mais attends, là okay, il faut... qui veut foncer comme un taré ? Là, il me faut une sacrée bagnole hein, pour faire ça. Ah attends, il y avait quoi là? Petite Jaguar, hein, petite Jaguar. Bon, on va essayer avec la Jaguar. Hein. C'est bon, putain, oh, de justesse. Hein. C'est toujours ça. De justesse. Une petite séquence à contre-sens. Voilà, c'est le moment de tester mes réflexes. On va faire une petite pointe à 160 en sens inverse. 160 en sens inverse. Merde, putain, c'est... Putain, mais c'est chiant cette zone de merde là! Putain, mais nique ta mère! Bah, c'est bon! Ah, ça rend fou! Et merde! Je crois pas que ce pilote va devenir une série. Là, les dernières missions, elles sont reloues. Hein. Putain, qu'elles sont reloues. C'est toujours sympa. Une petite séquence à contresens. Mais non, putain. Non putain j'étais prêt, oh là là ça me saoule. Oh là mais ça me saoule là ce soir. Oh non putain je m'accroche. Sans déconner. 160 en sens inverse, pas de problème, je fais ça tous les jours. Ça c'est de la télé. Y aurait pas des flics dans le coin? Putain, il y a une flic avec deux poursuivants. Allez, c'est l'heure de faire mumuse avec les messieurs en bleu. Ah, poursuite en cours. Maintenant, il faut que je m'arrange pour que ça se passe devant la caméra. Ah,
Allez, bougez votre cul là. Je savais que les tarés de San Francisco me laisseraient pas tomber. C'est dans la boîte. J'ai adoré bosser avec toi. Et c'est que le début, Marie. L'émission va faire. On va essayer d'enchaîner toutes les petites missions de merde comme ça là. Hop, on va enchaîner toutes les petites missions là parce que je sens qu'elles vont me gonfler les dernières. Non, pas toi. Écoute-moi bien, on peut pas faire ça. Mais... Encore, mais on l'a déjà fait ça. Okay. Il avance pas, okay. Q7. Ouais, tu m'as convaincu. C'est vrai? Ouais, on va débarrasser les rues de ces faux médicaments. C'est nous, le nouveau visage de la justice. Les vigiles bénévoles. Je trouve que combattant du crime freelance, ça sonne mieux. Il va nous falloir des costumes. Allez, c'est parti. Ouais, au boulot. Un camion comme l'autre fois. Tu sais quoi? On va poursuivre ces fumiers de vendeurs de Médoc Pourra. Bon, il va nous falloir un slogan. Une phrase choc de justicier, quoi. On recherche des alliés. Donnez-moi une voiture, n'importe laquelle. Mon copain est un imbécile. Des bons physiques. J'ai peur que le voyage soit un peu sportif. Sportif ? Voilà ! Ah non, je sors d'une opération, moi ! Eh ben, t'y retournes ! Les lois de la physique s'appliquent aussi aux justiciers, Devlin. On en était où ? On était en train de faire le ménage. Oh merde! En faisant un peu attention. Oh, t'es plus obligé de signaler les accidents, tu sais. Ah, c'est vrai. Ça, c'est typiquement les missions du premier Driver. Quand il y avait des contre-la-montre avec des trucs à dégommer, tout ça là. Je m'en rappelle, hein. C'est pas grave. Ça change de la paperasse, ce truc. Il y a pas mieux. Ouais, plus ça va, plus on s'éclate. Bon, alors maintenant, on fait quoi? Tu sais quoi? On les pourchasse. On les pourchasse d'abord. Alors, Sam. Ah mais y en a deux. Ah non non merde, le deuxième c'est moi. Voilà. Voilà. C'est ça, comme tu dis. Satisfait? Je me serai encore. Comme ça que ça marche. Tac. Ah, il en reste plus qu'une mission. Allez, comme ça, on passe à la suite.
de fil. Eh ben quoi, on a le disque, non? On est censé être des agents secrets du renseignement. Et toi, tu débarques en courant pour voler l'attaché-caisse de l'ambassadeur de Chine pendant qu'il fait un discours à une classe de gamins. J'ai pensé que c'était le bon moment. Ouais, bah tu penses avec ton cul. Je vois pas trop le rapport, mais si tu veux. Il faut qu'on sème les flics pour rejoindre la planque. Avec plaisir. C'est où déjà? Le QG va te l'indiquer sur ton PDA. Bon sang, il va falloir qu'on prépare une bonne explication. La voiture roule encore. Alors, conduis-la! Waouh! Phil, essaie de t'appliquer un peu. Je peux pas croire que t'aies fait un truc aussi con. J'ai le disque pourtant, non? Ça ouais, tu l'as récupéré. Mais t'as envoyé valser les procédures classiques de la CIA. Normalement, dans une mission d'infiltration, on évite les poursuites avec la police. Là, c'était la totale. Sirène, pneus qui hurlent, carambolage multiple, et j'en passe. Non, c'est rien ça. Ça sert à rien d'aller à la planque avec toutes les voitures de flics qui nous collent aux fesses. T'en fais pas. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Il a intérêt à être costaud ton sac quand tu perds. Phil ! Accroche-toi ! Voilà ! Si on n'était pas en train d'essayer de fuir, je m'arrêterais pour coller une tarte à cet abruti. Ça va me prendre plus de temps que prévu, de ce magnifique. J'avais remarqué. Il en reste encore des tours dans ton super sac. Pas des masses. Tu sécherais ou quoi? On va dire la moitié. Là, ça commence à chauffer sérieusement en fil. Alors, le lieu sûr, c'est où? Laisse okay. Tomber. De toute façon, on va devoir se débarrasser de cette voiture. Est-ce que ça va? Survie. Merde, putain, regardez-le. Phil, s'il te plaît. Bordel, d'où est-ce qu'ils sortent? On est mal barré, on s'est fait balancer. Putain, mais l'enfer. Peu importe, on déclenche le plan de secours. Décroche, décroche! Qui est-ce que t'appelles? La ferme! Don, écoute, on est surveillés et on transporte du lourd. Il faut que j'utilise Aegis. Là, on se dirige vers l'autoroute. Merci, Don, je te faudrai ça. Aegis? Aegis est une suite logicielle de dissimulation mobile. On rentre dans une zone aveugle et hop, on disparaît. Don va envoyer ses coordonnées sur mon PDA. Non! Putain, il restait 2 secondes, sa mère! Distance.
sa mère, il est sur l'autoroute. Mais pourquoi il y a du temps? Pourquoi il y a du temps? On s'en fout du temps. Ah oh merde, d'accord, ok. On y est presque. Je suis assez doué pour ce maléfique. Pas tant que ça, sinon on n'en serait pas là. Edgy, c'est droit devant nous. Quoi? Camion? Comment il va nous aider? Ah, je vois, on va monter dedans. T'as tout compris. Une cocotte! Tu sais quoi faire? Je monte dans la remorque du poids lourd. C'est bien! Eh ben! On était foutus et on s'en tire comme des chefs! Je t'avais dit que tout irait bien. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Va voir sur le sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag sur la chaîne YouTube. Dans la description des vidéos, il y a les annonces, il y a les invitations permanentes des Discord. John. Bordel, j'en ai marre d'essayer de sauver ma peau. Eh, hey, écoute, John, on... J'en ai marre, Jones. On est si près à chaque fois et on n'a toujours pas de... John, je sais où elle est, là. On a un tuyau sur un échange de marchandises en cours. Je crois qu'elle s'en occupe pour Jericho. Ok, on trouve Layla, on coince Layla. Non, 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 pas de désolé ou de trucs comme ça, parce que Layla est notre seule piste. Moi aussi, j'ai envie de la coffrer depuis qu'elle a aidé Jericho à s'enfuir de tôle. Et maintenant, Cordell est hors jeu? Eh ben, on va pouvoir y aller à fond. Et pourquoi elle refait surface? Elle sait très bien que t'es sur sa piste. C'est très simple, Jones. Elle s'en fout ou elle pense être à l'abri. On s'en tape, d'ailleurs. Centre quoi? Super. Page. Maintenant, chope Layla. C'est elle? Je crois pas. Il y a quelque chose qui cloche. Allez, on s'approche. Ça va exploser! John, c'est un piège. On a de la visite. Sors-nous de là, Tanner! Centrale, ici 40 Alpha 30. On a besoin de renforts, on est attaqué, on va vers la route 101. Bien reçu, 40 Alpha 30. Tenez le coup. J'avais dit que ça allait exploser. On m'écoute jamais. 40 Alpha 30, les renforts sont en route. Pour information, on a repéré un 4x4 noir qui se dirige vers l'ouest sur la route 101. Layla prend souvent les choses en main. C'est elle. Pour l'instant, on a un problème plus urgent. Non, c'est notre meilleure chance de la voir. Golden Gate Bridge, toujours sur la route 101. Pour renforcer. Bah, elle avance pas là, Dodge là! Merci beaucoup, mon bonne cuisse! Putain, mais vous avez tous la notification? Alors, je sais même. Moi-même, je sais même pas que c'est un anniversaire d'affiliation. Allez, Tanner, il faut la trouver! Après toi, je fais quoi? Lâche-moi un peu là! Et oublie ton ego! Il faut que tu fonces, mec! Ça, vieux, on décrochera les honneurs et une belle grosse médaille. Je crois surtout qu'on va décrocher des nuits blanches à remplir des rapports. Oh, laisse-moi rêver. Oh, merde. Mais elle avance pas la voiture! Ah, la voilà! Chope-la, Tanner! Et lui fais pas elle est contre le mur, tu sais! Faut du gros et du lourd.
Voilà. Oh putain. Voilà. Tu fais pas la maline, les gars. Hein. Je vais foncer dans le tas. Et là, mon gars, je vais t'en rajouter une couche. Ils sont tous en train de danser à poil. Et là. Il faut que ce soit lourd et rapide. Oh là, Leila, elle a failli passer par-dessus le Golden Gate. Voilà. Allez, ça va en cabane là. C'est comme ça que ça marche pour Leia. Une vraie furie. Et encore, elle alors, est pas morte, elle a de la chance. Avec cette demoiselle au poste, je fais le gentil flic et toi le méchant. Ça sert à rien, Jones. Elle en est pas à son premier rodéo. Elle lâchera rien. Ah, qui sait. Non, aucune chance. Mais sans Leila, Jericho va devoir sortir de sa planque pour s'occuper de moi personnellement. Bon, on arrive à la mission finale. Hein. C'est pas le malin, gamin, quand même. Alors c'est ça ton super plan. On attend tranquillement que Jericho nous tombe dessus. On a coincé Leila et elle dira rien. On n'a plus aucune piste. Mais Jericho veut toujours ma peau. Notre seule chance, c'est peut-être que j'endosse le rôle de l'appât. Précédemment dans Driver San Francisco. À suivre, le platine et l'ammoniaque servent-ils à créer du cyanure? Je sais, pour la bombe. Tout de suite, un... T'es une ordure, mais je te voyais pas comme un terroriste. Jericho a sûrement des projets. Prépare un truc. Mais sans Leila, Jericho va devoir sortir de sa planque pour s'occuper de moi personnellement. C'est la ville qui devient dingue? Ou alors c'est moi? Ah non, mais je te rassure tout de suite, mon pote. T'as pas changé? Tu conduis toujours comme un malade. T'as toujours rien compris, pas vrai? T'es inquiet pour cette ville, mais tu devrais plutôt t'en faire pour ta peau. On se verra en enfer, Tanner. Eh ben, on arrive à la fin. À toutes les unités, policiers blessés dans une ruelle entre Bryant et Crab. 2 minutes. 40 Alpha 30 en route vers la collision. Comment tu sais que c'est une collision? Mais attends, qui a parlé de collision? Toi. On n'a pas le temps pour tes délires. Mets le turbo, Tanner. Salut Akira. La ruelle entre Bryant et Crab. Tu vois où c'est? Jones, tu m'as bien regardé? T'as l'air super naze. Pas besoin de sommeil, on dirait un zombie. Ouais, ouais. Toujours au top. Éteins cette radio, bordel. S'il te plaît. J'essaie. Je vais pas lancer ce truc par la fenêtre, je te jure. John? Ouais, l'indicatif d'appel. Tout va bien se passer, Tanner. Tu vas y arriver. Ouais, on sera là dans environ 30 secondes. Ah putain, mais qu'est-ce qu'il branle ce camion de merde là? Ça fait à l'époque, mais je pense qu'à l'époque c'était un classique ce Driver San Francisco. Ce type est un peu trop pressé. C'est Jericho. Je le poursuis. T'es sûr, John? On a une autre mission. Oublie l'autre appel. On va choper Jericho. Qu'est-ce qui se passe? Jones? Où est-ce qu'ils sont tous? C'est tout bleu? Bah on le comprend dès le début en fait. Mais il y en a qui ont pas compris. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cette ville? Ah putain, je conduis comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Je m'en suis tiré ou quoi? Allez, continue John. Continue. Ah, ça vaut pas okay, un jeu Rockstar, je oui, mais... Saloperie d'Hersup. Je vais me réveiller la tronche collée au bureau, une fois de plus.
Aïe. Ok, je vais enfin quelque part. Je sais pas encore où. J'y vais. Merde. Ça commence à me faire flipper. Non ! Allez, John, ressaisis-toi. Tu peux sortir de là. Pourquoi tu conduis comme dans GTA ? Ah, mais je crois qu'il faut suivre les corbeaux en fait. Ça suffit comme ça, on ferait bien d'arrêter. Jericho. Encore Jericho. Quel genre de tordu. Allez, John, arrête de te poser des questions et fume-les. Pute. Il y en a trop. Je suis exposé. Il faut que je m'enfonce dans la ville, là où les rhumes seront plus favorables. Oh, meurs. J'encaisse pas mal de dégâts. Non. Ok. Allez, bébé, je vais nous tirer de là. Pas de bâtard! Ça aussi c'est très Driver, les poursuites dans Driver 1 et Driver 2 où c'était impossible de survivre en fait. Donc ça c'est le début du jeu. J'ai passé où ? J'ai déjà vécu ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, John ? Déconne pas mon vieux, allez. Hé, il est derrière nous ! Allez, maintenant, fonce ! Moi, je suis vraiment pas dans mon assiette aujourd'hui. Bon Dieu. C'est ça. Ça va arriver. Il faut que je change ça. Il le faut. Jones, accroche-toi. Quoi ? De South Beach, oh. Du centre-ville et des quartiers voisins, d'évacuer quelques On a retrouvé Nathan Drake. On a retrouvé Nathan Drake. Aucune revendication n'a été faite. Les forces de l'ordre ont néanmoins confirmé il y a un peu plus d'une heure que le criminel Charles Jericho. C'est comme ça qu'il a fini en coma, ouais. De cette menace terroriste. Des informations viennent de nous parvenir du porte-parole de la police. Il semblerait que la ville soit menacée par une arme de type chimique. La police demande aux automobilistes d'abandonner leur véhicule immédiatement pour accélérer l'évacuation de la ville. Vous regardez KEOC News, l'œil sur la ville. L'œil sur la ville, alors. On doit garder l'œil sur la ville. L'œil sur la ville, c'est toi, Ray, on se bouge. Il faut que je l'arrête. Oh.
T'es cul nu, John. T'es cul nu. T'es cul nu, merci. Tanner, John, reste avec moi. Allez, mon vieux. Bats-toi. Bats-toi. Tanner. 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 Il a pas compris. Je suis réveillé déjà. Je suis réveillé. Je sais que tu m'entends, mon pote. Il faut que tu te battes. Encore un peu. Allez, encore un peu. Chapter 8. Laisse tomber, Tanner. Détends-toi. On arrête les conneries. Tu cherches la merde, Jericho? Tu vas la voir. Une fois mort, t'auras plus à me combattre. Je t'emmerde, Jericho. J'abandonnerai pas. J'abandonnerai pas! Je vais te choper, Jericho. Tu m'entends? Oh, le camion. Oh, le camion, ne me déçois pas. Mal joué, Tanner. Cities. Merde! Non, il faut le que je le camion, j'ai dit, me déçois pas! Il faut que je tienne encore. Putain! C'est pas possible! Mal joué, Tanner. Si t'es ici, qui sommes-nous? Cette ville, c'est comme un corps, Tanner. Les rues, c'est les veines. La circulation, c'est le sang. Ton sang, Tanner. T'es en train de te tuer. La ville est un corps, alors Jericho est un virus. Et je lui prépare une bonne grosse dose d'antibiotiques. Oh yes! Oh non, mais il a pas perdu de vie! Drôle. Comment ça, il a pas perdu vie? Parce que tu vas rester ici. Bon, non, mais ok, moi c'est le bang bang, c'est quoi? Sors de ma tête. Sur la gueule si tu veux, Jericho. Ça m'empêchera pas de te choper. Ça me pétait les couilles. Comment ça me pétait les couilles? Tanner, être à deux endroits en même temps, c'est une faiblesse, pas une force. Cet enfoiré essaie de m'envoyer dans le décor. C'est tout? Tu sais rien faire d'autre? Attard. Oh, le bus. Allez, le bus. Fais-moi plaisir, le bus. Ah, je bâtard. Si je suis dans ma tête. Merde. Comme oh, l'enculé. Ça fait mal. Dans une chambre d'hôpital, les infos à la télé, ensuite je repars. Non, je dois rêver, je rêve. Ou alors je suis dans le coma. Waouh, tu perds vraiment les pédales, mec. Non, Jones, aujourd'hui pour la première fois je viens de comprendre. Ce coup-là, c'est pour toi.
Oh, bon, bâtard. Tu peux y arriver. Non, pas encore. Je savais que ça partirait en sucette. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Jones, je peux te demander la même chose? Hé, hey, c'est toi qui as créé le bordel dans lequel... Voilà! Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Holter, j'ai besoin d'un kit de réanimation. Ah non, allez, pas toi, Jones. Vous allez pas me perdre maintenant. Pas toi. Vous allez pas me perdre maintenant. Salut, Dana. Quoi? Je devrais pas être là. C'est mon cerveau. T'es toujours aussi pragmatique. Fais pas ci, fais pas ça. Je sais ce qui se passe. Tout ça, c'est qu'une sorte de rêve. Tu sais quoi? C'est pas un rêve, Tanner. C'est un coma. T'es en vie. Reviens ici, bordel de merde. C'est rien, ça. Attends. Attends un peu, j'ai vécu les infos télé dans ma tête. J'ai rien résolu du tout. Déjà, la bombe de Jericho n'a toujours aucun sens. Non, toi, tu as ton... Oh là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Concentre-toi. Ah oui, d'accord. Faut que je rattrape. Eh bah oui, mais là... En fait, on peut plus rien faire, la voiture n'avance pas. Alors, on va le perdre. C'est, c'est insupportable. C'est insupportable. Pour mon prochain coma, je fais un yacht. Je vais au Bahamas avec des filles qui dansent. Non, mais c'est quoi ce nombre de bagnoles à l'écran? Sur la plage de mon île privée. Waouh, comment il a fait ça? Un pied dans la tombe, Tanner. Concentre-toi. Parce que dans la réalité, je vais t'arracher la tête. Ah, espèce de salaud! On a pu empêcher les crimes de Jericho. Pas dans la réalité. Non! Non! Ça rend fou! C'est hyper scripté pour que les bagnoles te tombent sur la gueule. Non, toi, tu as ton... Waouh, comment il a fait ça? Insupportable, insupportable. Merde. Attends, attends un peu. J'ai vécu les infos télé dans ma tête. À la bombe de Jericho n'a toujours aucun sens. Allez, mais barrez-vous. Putain, mais y'a 15 fois plus de trafic que dans Cyberpunk, quoi. C'est insupportable. Rien. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce trafic?
ça rend fou. Toujours plus, sans déconner. Pour mon prochain coma, je vais à un yacht. Un yacht aux Bahamas avec des filles qui dansent. Et ma petite, c'est que t'es pas faite pour encaisser. On a vu pire, toi et moi, non? Mais allez, barre-toi, putain! Non, en fait, à mon prochain coma, je veux des cocktails avec des masseuses, et tout sur la plage de mon île privée. Ah ouais, barrons-nous de là, putain! Ah ouais, super, manrias. Bon, cette mission, elle est insupportable. Insupportable! Ça me casse les couilles. Tu peux pas éviter, t'es obligé de te le prendre sur la tronche. Espèce de salaud. Ouais ouais, faites-toi bien Jericho, parce que dans la réalité, il t'a arraché la tête. Je te pousse trop. Ça me casse les couilles. Mais que ça me gonfle. J'ai pas pu empêcher les crimes de Jericho. Pas dans la réalité. J'étais sûr. Sa bombe au cyanure n'a vraiment aucun sens. Je vais rage quitte. Ah, je vous le dis, je vais rage quitte. Je le dis, je vais rage quitte. Putain, heureusement que c'est terminé parce que là, j'étais à deux doigts du rage quitte. Je déteste par contre les trucs comme ça. Quand c'est ultra scripté que tu peux rien faire, Je t'ai manqué? Il y a quelques heures de ça, j'aurais foncé droit dans un mur pour te crever une bonne fois pour toutes. Pourquoi t'as changé d'avis? T'as les raisins tout secs, avoue. Rien de tout ça n'est réel. Ça servirait à quoi? Ça te ferait du bien. Me casser la gueule. Me briser les côtes. Me voir saigner, c'est ça que tu veux. Alors pourquoi tu t'amuserais pas un peu? Et après, hein? Après? On recommence, bien sûr. Tu me défonces jusqu'à ce que tu finisses par t'en bousiller les mains. Ou que tu tombes, et que tu bascules de l'autre côté. Tu sais, Coma, c'est juste une façon de dire que t'es condamné. Qui sait combien de temps il te reste? Si j'étais toi, je perdrais pas mon temps à discuter. On ferait bien mieux de s'entretuer. Là, maintenant. Espèce d'enfoiré! C'est ça, mon vieux. Allez, vas-y! Quoi que tu fasses, tu ferais mieux de te manier le train. Tu la sens, l'odeur de la mort? Tanner! Ah! Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Sans que ça va me plaire. Quand je me suis réveillé, à l'hôpital, on parlait que de ça aux infos. Une sorte de bombe chimique ou... Ça me ressemble pas, ça. Jericho n'est pas un terroriste. C'est pas une vendetta ou une vengeance. La vengeance, c'est ton truc, Tanner. Fais un effort, on est dans ta tête, après tout. Ça peut pas être lui. Il est plus malin que ça. Merci. Je sais. Poser une bombe, c'est pas son genre. Alors que faire croire qu'il y a une bombe, c'est... Du génie? Ça dégagerait le centre-ville. Ça lui laisserait le champ libre pour... Merde, il faut que je me réveille. Bonne chance, mon grand. Allez, allez. Allez, vas-y, bon sang. Allez, John. Réveille-toi. Réveille-toi. Bouge-toi, nom de Dieu. Bon sang, réveille-toi, John. Attends un peu. Autoroute, dans ma tête. Voiture, dans ma tête. Jericho, pareil. Ok, ça change tout. Je vais me mettre à balancer les caisses, moi aussi. Les règles ont changé, Jericho. Tu vas avoir une grosse surprise. Je crois que je vais avoir du mal à trouver... En plein dans le mire. Ça lui fait quasiment pas de dégâts.
grand, ça. Ça lui fait quasiment pas de dégâts. Bien fait. Tu vas crever, Jericho. Je vais t'écraser, Jericho, doucement mais sûrement. Prends ça dans ta gueule, espèce de fumier. T'es sur une pente. C'est dans ta tête, Tanner. Même si tu me tues ici, t'auras pas gagné pour autant. Donne à fond, Jericho. Je vais te tuer ici, Jericho. Quand je me... Soit je lui mets une raclée, soit c'est terminé pour moi. Vraiment tout ce que tu sais faire, espèce d'enfoiré. Faut y aller, John. C'est quoi, vous promets? Allez, John. Allez. Allez, John. Go, go. Tu peux y aller. Voilà. Je l'ai battu. Je dois battre le mort. Ok, John, réveille-toi. C'est l'heure. Putain, on va en finir avec ce... Les forces de police tentent toujours de déterminer si le vol d'une cargaison de platine est lié aux menaces proférées aujourd'hui. Face à une évacuation organisée dans l'urgence et ciblant le centre-ville de San Francisco, les commerçants craignent que de nombreux pièges se produisent. Hé mec, ça fait du bien de voir que tu vas... Éteins cette foutue télé avant que je vide mon chargeur dessus. Que tu vas bien. Hé, rallonge-toi mon pote. Écoute, il me faut une caisse. Il te faut un froc. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ta caisse. File-moi ton froc. Tu peux répéter? Bordel, Jones, j'ai pas que ça à foutre. Il faut que j'aille immédiatement au centre-ville. Il faut que tu restes au lit. Écoute, t'en as bien bavé. T'es pas dans ton état normal. Me parle pas comme si j'étais cinglé. Écoute, je sais que j'en ai l'air, mais crois-moi, je perds pas la tête. Tu dois me faire confiance. J'aimerais bien, mais... Il n'y a pas de bombe, Jones. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une diversion. Jericho cherche à brouiller les pistes. Écoute, il faut que tu me crois. Je sais ce qui se passe. D'accord. Mais pour le froc, mon pote, tu te démerdes. Merci. Petit Camaro. Et c'est reparti. Ok, John, je suis pas sûr que ce plan soit si bien que ça. À l'heure où je vous parle, les forces de police donnent toujours la même consigne à tous ceux encore présents dans le centre-ville. Il doit être évacué d'urgence par tous les moyens disponibles. Nous ne disposons que de peu d'informations. Toujours selon la police, une arme chimique de destruction potentiellement massive pourrait exploser en ville. Les autorités ont confirmé que Charles Jericho avait effectivement envoyé un message d'avertissement. Mais pour le moment, aucune exigence n'a été formulée. Mais putain, ils sont cons ces filles. On vient de m'informer à l'instant que les équipes de déminage viennent d'être rappelées. On nous ordonne de quitter la zone. Ça va. Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas vrai. Je peux voir un énorme nuage de gaz. Il est plus grand que les immeubles. Il avance rapidement. Il faut pas rester là. Énorme. Un nuage de gaz arrive sur nous et descend le long de la rue. Courez! Parasite, radio et HS. Attends, comment un nuage empoisonné peut faire ça? Ok, toujours vivant. Donc c'est pas du cyanure. C'est un écran de fumée. Mais pourquoi? Centre-ville. Mais y'a quoi là-bas pour Jericho? Des prisonniers? C'est une évasion. Il est dans cette foutue prison. Oh,
Je te tiens, espèce d'enfoiré. D'enfoiré. Pas mal. Quand les fédéraux comprendront ce qui se passe, tout un tas de criminels auront filé. Et toi, tu seras en train de siroter tranquillement des mojitos. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je serai très occupé à dépenser ton pognon. 30 millions durement gagnés. Tire-toi d'ici. Un problème? L'emmerdeur est de retour. À l'ordure. John! John, réponds! T'avais raison pour la bombe. J'ai fait un leurre pour une évasion. Les renforts arrivent. Quelle est ta position, John? Devine quoi, mon pote? Je suis en chasse à Soma, vers le sud. Jones? Jones? Oh, bâtard! Abandonne, Jericho. Concentre-toi, John. Ouais. Ça fait mal, non? Un conseil, Jericho, renonce. Dirige vers Hunter Point, sûrement les docks. Bien compris, Hunter Point. Sois prudent, John. Tu me connais. Tu penses aller où maintenant, Jericho? Oh bâtard! Oh bâtard! Ça, c'est la réalité. Allez! Allez! La voiture est nickel. Marcus.
Ce chien de Tobias ? Centrale, ici 40 Alpha 30. Il faut des renforts à l'entrepôt de Hunter's Point. Ce chien de Tobias ? Jones, tout était sous contrôle. Sous contrôle ? T'étais à deux doigts de défoncer ma bagnole. Bon, alors maintenant, on va se la boire cette bière. À toutes les unités, véhicule volé se dirigeant à grande vitesse vers Marine Ridge. Centrale, ici 40 Alpha 30, on s'en occupe. Vraiment sûr, John. Quoi ? Ouais, t'inquiète. Et ben voilà ! C'est fait pour Driver San Francisco. Bah c'était bien cool. Même s'il y a la mission, il y a une mission qui m'a vraiment rendu fou et on était à deux doigts du rage kit, mais c'était bien cool. D'ailleurs, tournons vers la fin. Ah bah attends, faut mater ça alors. Faut mater ça. Est-ce que c'est dans le générique comme ça ou après dans les crédits Bah attends, on va voir le nom de Nicolas Piré quand même. C'est dans les UI, donc ça va être là. Attention. Merci Titi. Je vais vous laisser le son quand même. Audio Director, Managing Director. Les UI, c'est tout l'affichage en fait. Compteur de vitesse, la map qu'il y avait au-dessus, etc. Nicolas Perret ou Omegame. Ah, c'est là dans les crédits. Ah mais attends, est-ce que c'est pas quand tu finis le jeu à 100? Non, voilà. Design. C'est dans quelle partie du coup? C'est dans UI, etc. Oh là, chef technical officer. Alors, programming et assurance collective. Attention, on a tous les yeux rivés. Où qu'il est. Bon, on va te voir. Peter, Timothy, Ben Morris. Dans l'art, bon là c'est toute la partie artistique, donc c'est... Ah, peut-être que si artistique en fait. Ah mais attends, si je vais voir le site maintenant... Ah mais si je vais voir le site maintenant, je vais pas le voir le générique des films en fait. Animation et cinématique... C'est dans technologie. 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 Ah, j'ai eu. UI artiste. Ça va être par là. Comment ça dans technologie? On l'a passé? Ah, à la fin dans les... Oui, ah oui, celui-là c'est Ubisoft qu'on est con. Là c'est Ubisoft, eh oui. Oui, ça c'est tous les gens chez Ubisoft. Ouais.
Quality control. Tester. Peut-être le tester qui a eu. Ah, ils ont mis le paquet sur les testeurs. Hein. Licensing. Bravo à Gillian Daglish, grâce à qui on a pu avoir toutes les voitures. Bravo à Terry Garrison pour la magnifique représentation de San Francisco. Bravo à David Robinson pour les musiques incroyables. Studio Management. A Special Shanks. Additional Management. Additional Game Engine. Additional Marketing. Il y aura le sujet GTA 6 sera pas excessivement long parce que de toute façon ils mettent pas, ils peuvent pas mettre tout le monde en fait. Ils ont des nombres de places limitées dans le générique. J'ai une connerie, s'il y a 200 personnes maximum ils pourront pas. Même s'il y a 5000 personnes qui ont bossé sur le jeu, ils me trompent, 200 personnes. Les 200 plus importantes. David Morrison. Ubisoft. Ah putain, il y a Ubisoft Annecy qui avait bossé dessus. Ok. Je sais pas. Il y a Ubisoft Bucarest. Ouais, d'accord. Ça dure vraiment longtemps en fait. La Hermès Team. Ubisoft Bucarest. On va y arriver, hein. Y'a pas le moins passé descendre, on peut pas. Non, y'a pas l'avance rapide en fait. Putain, mais c'est long à ce point! Et y'a pas l'avance rapide. J'essaie d'appuyer sur tous les boutons sauf sur croix. Putain, mais y'a combien de studios Ubisoft qui ont bossé dessus en fait? What? Mais attends, mais en fait, effectivement, là... Mais ils ont bossé à combien dessus, sans déconner? Ah ouais, non mais attends, là on est que à Bucarest. Donc c'est-à-dire qu'il y a German 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah bah ça va vite. Ah bah ça va vite. Et on est déjà à Ubisoft Montréal. Technology Group. On va y arriver hein. Ça prend autant que ça prend mal mais on va y arriver hein. Le Service Team. Stéphane Grenier. Alain Métivier, ça me fume parce que du coup il n'y a que les noms français quasiment. Bloomberg. Comment ça Bloomberg Reporting. Les vendus. Ah il y a la Metrics Team. L'Oasis Team. Ça va être par là, non? La Fire Team.
Rendez-vous plateforme team. Multiplayer Engine Team. Le nain était sympa aussi. Très casse-couille parce que c'est à cause de lui que j'ai pas le platine du jeu. Mais sympa. Y'a un Christopher! Let's go! Let's go, let's go! Non, le multiplayer il marche plus. Ah, on y arrive là. Il y a Uplay Team, on arrive à la fin là. Il y a du copyright et tout, on arrive à la fin. Uplay Operation. Uplay Web Servers. Uplay Engine. Uplay User Experience. Uplay Tourism and Automation. Mais attends, pas eu Paris. Oh. Oh, on est qu'à Montréal là. Ouais, après Montréal je pense que ça va être un des principaux. Bah non, ils sont pas là en fait, ils sont là. International Production. Ubisoft Paris. Il doit pas être beaucoup à Paris. Oh mais attends, Paris peut-être qu'il va y avoir il va y avoir. Oh, Jérôme Bazadon. Mais oui, il bossait à Ubisoft à cette époque là. Incroyable. Incroyable. Jérôme Bazadon. Yves Guillemot, forcément. Putain, trop drôle, Jérôme Bazalon qui est crédité sur Driver. Et du coup, Emmanuel Carré, t'es déjà pas à Ubisoft? T'es déjà pas à Ubisoft? Je trouve ça cool que Bah Emmanuel Carré on l'a pas vu alors. Bah oui, mais du coup il est pas crédité, non, parce qu'en France mais il était peut-être. Ah, il était pas peut-être PR manager en fait. Ubisoft Red Storm. Ubisoft San Francisco. C'est marrant, c'est Ubisoft San Francisco. Ah non, mais c'est pas fini. Ce que j'allais dire, ils sont pas énormes, mais c'est pas fini. Aussi, ça se déroule dans leur ville et. International Production. Ubisoft Shanghai. On arrive à la fin là. Ubisoft Vancouver. Putain, tout ça pour voir le nom de Nicolas Perret sans déconner. Et mon gars, si tu m'as dit tout ça et qu'en fait t'es pas crédité au générique, ça va chier. Ouais, il devait pas, parce que 2011, attends, mais ça fait 14-15 ans, ça fait 14-15 ans qu'il est chez lui là. Ou 20 ans. Je m'en rappelle plus. Il devait peut-être pas être PR manager en fait. Remerciement spécial aux player testeurs, vous savez qui vous êtes. Voilà, bah super. Super, super, super. Voice recording. On y arrive là. Ah, Outsource Media. Los Angeles. Je sais pas. Ah non, mais c'est dans technologie. Putain. Ah c'est là, et j'allais dire, c'est pas qui m'a fait mater tout le générique pour rien. Ça va chier.
Localization. French localization. Recording, la marque rose. Alex Kenner, ok. Italiane localization. Nino Natasari, Francesca Gleccia, Sintetisi, Maria Chiara, Olga Petrova, Mikhail Volkov, Olga Zeligman. Ah, outsourcing. Catalyst outsourcing. Producer massive. Il est où? China. Ça va être là ou pas? Environnement modeling. Script. See the lines. Et tout le monde retient son souffle. Cinematics. Vancouver, à nouveau Vancouver qui revient. Technologie. Hey Nicolas Pierre, il est là. Omi Game, Chief Technical Officer, Nicolas Perry. Putain, t'étais vraiment à la toute fin. À la toute fin. C'était vraiment à la toute fin, sans déconner. Eh ben, gros GG. Gros GG. On est vraiment sur un bon... sur un bon jeu. GG, Nico. Ça fait un quart d'heure qu'on se tape le générique, voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi, les amis, cette aventure Driver San Francisco de deux soirs. Hein. Longue aventure. Sauf qu'ils ont écrit avec un H, c'est con de rose beef. Ah, pour Nicolas. Nicolas Perret. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Assassin's Creed. Pour le début de Burnout 3 et pour le début de Mafia Definitive Edition. J'espère que ce programme vous plaira. Sur cela, je vous laisse. Je vous remercie, les amis. Nicolas. Je vous remercie, les amis, en tout cas. Passez un très bon week-end. Reposez-vous bien, kiffez bien. Matez la série Fallout parce qu'elle est exceptionnelle. Et après, allez voir ma critique de Fallout. On se retrouve, il y a une vidéo qui est sortie sur Naughty Dog Mag tout à l'heure. Il y a une vidéo qui sortira sur Rockstar Mag demain. Il y a le vrai ou faux sur Naughty Dog Mag, le vrai ou faux sur Rockstar Mag qui sort dimanche. Donc voilà, meilleur que The Last of Us. Et ouais. Et pourquoi ? Bah c'est dans ma critique. Voilà, critique sans spoiler. Sur cela, les amis, je vous fais des coucous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine.